Hey salut tout le monde, comment ça va Petit check comme d'habitude, est-ce que vous me voyez et est-ce que vous m'entendez En principe, vous devriez bien me voir et bien m'entendre. Ah, ouais. Donc déjà il y a du monde. Salut tout le monde, rentrez, rentrez. Faites comme chez vous, la porte est ouverte, rentrez. Donc voilà, est-ce que tout le monde m'entend bien Est-ce que tout le monde me voit bien En principe, je pense que là c'est bon. Hein Je me suis fait une putain de frayeur juste avant quand j'ai lancé le stream. Parce qu'en fait, pour être capable comme ça de vous partager l'écran et tout ça, j'ai YouTube d'un côté et j'ai un logiciel de l'autre pour faire la passerelle, pour pouvoir être capable de partager l'écran, ok Et ce qui s'est passé... Euh, c'est que juste au moment où j'ai lancé le stream il y a eu un, genre un gros bug il m'a dit genre la résolution d'écran ça va pas il va y avoir des problèmes etc et je me suis dit merde putain ben, j'avais tout lancé tu vois le stream était lancé tout était lancé et finalement j'ai réussi à euh, j'ai réussi à, dans les temps à tout faire en sorte que ça fonctionne donc voilà finalement pas de problème, on est bien en ligne. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Salut Unirex, Unix Unixred, Unix Red, pardon, excuse-moi. Vos noms, des fois, vos noms, c'est incroyable. Hein. Salut à Zen Angel, salut à Bizbuzz, Buzz, salut à Mathieu, salut à euh, Marketing Is Gold, salut Anthony, salut Luc, euh, salut à Anthony, ben oui, non, mais je t'ai dit salut deux fois. Salut Sylvie, ça, Sylvie, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention. Mais j'ai l'impression que ça, tu fais juste, toi tu passes et tu t'en vas. Euh... Bisbuzz, tu me dis que tu veux que je monte le volume. Ok, pas de problème. Voilà. J'avais volontairement baissé le volume parce que généralement je crie quand j'arrive, quand je démarre. Je suis tellement excité de vous voir, je suis tellement excité de vous parler. Que en général, je crie, genre. Mais là, ça devrait être mieux. J'ai monté le volume. Si c'est pas assez fort, dites-le moi dans les commentaires et puis j'augmenterai le volume. Freestyle and gest technique, salut. Et c'est... Ok. Ben Zen Angel, en principe c'est bon, j'ai monté le volume. Euh, ben ça a l'air pas mal là, ça a l'air pas mal. Il y a du monde qui commence à se connecter. Euh... All right, j'ai une... vu un truc qui était intéressant. Qui... Je sais plus qui c'est qui a dit. Finalement tu fais le, 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 la vidéo. Ben oui en fait. C'est juste que la vidéo qui était prévue initialement euh, ne sera pas. Euh, en... en fait, je vous ai expliqué sur le groupe pour ceux qui sont sur mon groupe Facebook. Euh, il y aura deux lives. Monte le son encore. Ok, voilà, je monte le son encore. Voilà. Je pense que ça devrait être mieux comme ça. De toute façon, après, je serai en face de, 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 de l'ordi et je serai en face du micro. Donc, ouais Qu'est-ce qui s'est passé <laughs> quest qui s'est passé le, La vidéo qui était prévue initialement, je bah, je vais pas pouvoir la faire. C'est pour ça que la semaine prochaine, vous aurez deux lives. Euh, donc voilà. Bon, on va pas tarder à commencer. Juste une petite question que j'ai à vous poser. Je remarque que. Je, je, voilà, je vous pose une petite question, ensuite on démarre. Ok euh, Je remarque qu'il y a de moins en moins de monde à mes lives et ça me gonfle. <laughs> je suis super transparent avec vous, ça me gonfle parce que ça me prend du temps et de l'énergie. Et je remarque qu'il y a de moins en moins de monde pendant mes lives et surtout que les gens viennent euh, voir les lives en euh, replay, en fait. Ils, ils regardent les rediffusions. Donc je me pose une question et je vous invite vraiment à me répondre dans le chat. Pourquoi il y a moins de monde Est-ce que vous seriez capable de déterminer pour ceux qui sont là, par exemple aujourd'hui et qui sont pas là habituellement, pourquoi vous venez pas Je ne vous engueule pas, hein. c'est juste que j'essaie de comprendre là où est-ce que je fais potentiellement une erreur. Ben, J'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi j'ai de moins en moins de monde sur mes lives en fait. Parce que si j'ai de moins en moins de monde sur mes lives, est-ce que au bout de la ligne, est-ce que j'ai vraiment intérêt à en faire ou pas Est-ce que je suis pas c'est pas plus intéressant pour vous étant donné que les gens regardent les rediffusions Est-ce que c'est pas plus intéressant juste que je tourne des vidéos et que je les mette euh, comme comme d'habitude, tu vois, comme les autres vidéos de ma, de ma chaîne. Donc, euh... ouais, j'ai un mug BNP, ouais. C'est un truc qu'on m'a filé il y a super longtemps. Euh... Boss, tu viens parce que tu m'as découvert hier. bah ben oui, mais voilà, mais merci déjà d'être venu. Merci de me faire confiance. On va passer un bon moment. Généralement, on passe toujours un super bon moment. Mais, euh... c'est ça, je sais pas. Là, il y a Anthony qui me dit pas d'erreur, euh, la dispo des gens. Ouais, peut-être que le dimanche aussi c'est un, un... Oui, je vous montre mes jambes aujourd'hui. Peut-être que le dimanche c'est... Ouais, c'est l'heure du dîner, voilà, c'est ça que je me doutais un petit peu. Mais en même temps, je sais pas trop à quel moment je peux faire mes lives, tu vois. Euh... Essaye de faire tes lives le samedi soir, car le, le lundi, les gens travaillent. Ouais, je sais pas. Moi, j'avais l'idée de faire, de faire mes lives en semaine, en plein milieu de la semaine, genre. Le jeudi ou un truc comme ça. Donc je sais pas, euh, je sais qu'aussi je partage une partie de ma communauté avec mon, mon pote Joseph Torregrossa et je sais que lui, ses lives, ils sont interminables et souvent les gens sont chez lui et du temps qu'il termine son live, qu'il mange et qu'ils arrivent chez moi, ben genre il reste une demi-heure, tu vois. Enfin que c'est pas... C'est ça, laissez-moi savoir... Euh... Si vous avez des suggestions ou quoi, je vous écoute vraiment, je suis super à l'écoute. C'est juste que voilà, si je me dis à un moment donné, si je fais des lives et que euh, la plupart d'entre vous euh, n'êtes pas disponibles, il y a une raison qui fait qu'il y a de moins en moins de monde sur mes lives et j'aime ça savoir pour pouvoir vous, bon, entre guillemets, vous donner ce que vous voulez. Bref, est-ce que ça vous tente euh, qu'on démarre la vidéo <laughs> Ok, on va se retrouver sur mon ordi tout de suite. Euh, hop là, et voilà. Donc le sujet du live d'aujourd'hui, c'est quoi C'est thème gratuit, thème payant, lequel choisir. Ok Donc en fait, euh, l'idée, c'est on va parler, je vais vous parler un petit peu de quelques thèmes gratuits que j'utilise et que j'aime bien. Je vais vous montrer quelques thèmes payants aussi qui fonctionnent super bien et que j'ai utilisé ou alors que j'utilise. Et après, je vais vous montrer à la fin une... une dernière, entre guillemets, méthode pour trouver des thèmes payants qui sont vraiment exceptionnels et qui vont euh, comment dire, grandement augmenter la valeur perçue de ta boutique, qui vont augmenter le fait que ta boutique ne soit pas, euh, soit pas euh, exactement la même que les autres, etc. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est ça. Donc, ça va être en trois étapes. Site, euh, thème gratuit, pardon, thème payant et ensuite thème payant, mais vraiment pas cher, mais qui vont vraiment, vraiment augmenter euh, le branding et la valeur perçue de ta boutique. Ouais Barry, merci de me dire ça. Tu me dis que vous n'avez pas reçu la notif. Je sais, ça fait chier. YouTube, on est tous dans le même... Tous les YouTubers comme moi ont tous le même problème. Euh, les... Vous recevez la... des fois la notification 45 minutes après que le live est commencé. Tu vois, c'est quand même un peu... un peu con. Salut saint barth salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Euh, voilà, donc on va pouvoir démarrer. Donc les thèmes gratuits dans un premier temps. On est parti. Je retourne sur mon écran. Ouais, j'essaye un peu comme ça de switcher une caméra ici, une caméra ici, une caméra ici, une caméra ici. Une caméra ici. Je trouve ça cool, tu vois. On va essayer de, de rendre les choses un peu plus sympas. Donc, alors, les thèmes gratuits. Euh, je vais juste ouvrir mon petit document texte. Il est là. Voilà, c'est parfait. Euh, J'ouvre mon Chrome. Il est où, Chrome Où il est Où il est Où il est Vous, vous le voyez, mais moi, je ne le vois pas. Voilà, c'est ça, je pense. Oui. Est-ce que c'est lui Oui, parfait. All right. Donc je vais me mettre ici et on est parti. Alors les thèmes gratuits. Est-ce que il faut prendre un thème gratuit ou est-ce qu'il faut prendre un thème payant Je regarde juste les questions. Ok. Shootez vos questions. On va essayer de rester dans le thème, c'est-à-dire que si je vous parle par exemple des thèmes gratuits, essayez idéalement de me shooter des questions sur les thèmes gratuits. Si je vous parle de thèmes payants, essayez de shooter des questions sur les Voilà, on va essayer de rester toujours un petit peu sur la, la dynamique dans laquelle on est, ok Donc, est-ce qu'il faut prendre un thème gratis, euh, gratuit pardon, ou est-ce qu'il faut prendre un thème payant Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Néanmoins, il euh, y a des thèmes qui sont plus adaptés à ta niche. Ça, c'est ce qu'on va voir à la fin du, à la fin du live, enfin en troisième. Il y a des thèmes qui sont, les plus adaptés, qui sont plus adaptés à ta niche que d'autres. Mais euh, néanmoins, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un thème euh, payant ou un thème hyper hyper adapté à ta niche pour vendre. Tu vois, ça c'est faux. Ce que, les gens qui disent qu'il faut forcément euh, un, thème, un thème payant ou un thème à 300 balles, etc., c'est faux, c'est des conneries. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir aller passer à l'étape supérieure, ça vaut la peine peut-être d'investir dans un thème qui est plus adapté à ta niche. Encore une fois, on va voir ça après. Mais il y a des thèmes gratuits finalement qui fonctionnent très bien. Alors, quels sont les thèmes gratuits qui fonctionnent très, qui fonctionnent très bien Il ben, y a déjà le thème début. Et on va regarder ensemble. Hop là. Je pense que la capture d'écran, tout est bon. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc il y a le thème début. Le thème début, tout le monde le connaît. C'est le thème le plus basique qui soit sur Shopify. Euh, ben voilà, tu vois Anthony, t'as dit thème gratuit début. Et eh ouais, le thème début, l'avantage qu'il a c'est qu'il roule très bien, il va super vite. Il, il n'y a rien dessus, le thème début va vite. Comment savoir si ton, ton thème va vite ou pas Tu vas sur Google et tu tapes genre, euh, euh, je crois que c'est Google Page euh, Speed ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est euh, Page Speed Insight. Et en fait, pour savoir si ton thème, il est rapide ou pas, tu prends l'URL qui est ici par exemple, non pas ça pardon, tu fais View Demo, donc tu regardes une démo du thème, tu prends l'URL, tu la rentres là, et tu vois euh, si ça avance bien ou si ça n'avance pas. Jean-Pierre, tu dis ça commence tôt, bah ben, je sais pas, ça commence à 8h comme à chaque fois. Donc euh, Je sais pas, non, non, on commence toujours à 8h. Ça va comme je vous ai dit au début, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est déjà salut à ceux qui viennent d'arriver, comme je vous ai dit au début euh, du live, euh, on va peut-être être, être amené par la suite. Voilà, on va peut-être être, être, être amené par la suite, plus tard, à changer les jours des lives parce que j'ai l'impression que le dimanche, euh, y a, à ce heure ci en tout cas, il y a moins de monde qui peuvent venir. Voilà, donc c'est une petite parenthèse pour ceux qui viennent d'arriver. En passant, ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de mettre vos pouces bleus, ok Important les pouces bleus. Et si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes des touristes, là, abonnez-vous, profitez-en, soutenez les gens qui prennent du temps comme ça pour euh, partager un moment avec vous. Bref, hop là. Donc, c'est ça, Donc pour revenir à ce que je disais, tu prends l'URL de, 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 de la boutique démo et tu la rentres dans ce site-là. Donc, c'est PageSpeed Insight. Et il va te donner un score. Il va te donner un score sur mobile et il va te donner aussi un score sur ordinateur. Celui qui t'intéresse le plus, c'est le score sur mobile. Parce que euh, dans la plupart des cas, 80% des achats aujourd'hui sont faits à partir d'un mobile. Donc, ton site, il doit être absolument optimisé en fait sur mobile. Il ne faut pas que tu délaisses la version ordi faut pas du tout que tu délaisses la version ordinateur. Néanmoins, il faut que ton site il soit optimisé sur mobile. Okay donc le score le plus important finalement dans tout ça, c'est ici. C'est le score mobile. Okay Et il donne un score sur 100 en fait. 73, c'est en orange, mais 73 honnêtement, c'est vraiment pas mal. Euh, voilà, donc c'est ça. Le score sur, sur ordinateur est souvent beaucoup plus élevé. C'est normal hein, que le score sur ordinateur soit toujours beaucoup plus élevé. Mais donc voilà. Donc si tu veux regarder déjà avant d'acheter un thème ou avant quoi que ce soit, voir si un thème fonctionne bien, voir si un thème est rapide, euh, bah tout simplement tu vas sur le site dont je viens de te parler, tu rentres l'URL et tu regardes si ton, si, ton, si ton thème est rapide. Si déjà la démo en partant euh, est comment dire, euh, si déjà en partant la démo est lente, euh, c'est peut-être pas la peine d'aller vers là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Petite parenthèse, est-ce que quand je switch les caméras comme ça, tout fonctionne bien J'essaye un petit peu de faire, euh, de rendre ça un peu plus dynamique, un peu plus intéressant. Donc, laissez-moi savoir si quand je switch les caméras, ça fonctionne bien. Donc, le premier, c'était celui-là. C'était le thème début. Le thème début est assez basique, finalement, mais il fonctionne très bien. Et comme je viens de te montrer sur le truc de PageSpeed Insight, le thème début est rapide. Le thème début est bien si tu veux faire un, un site, par exemple, monoproduit, parce que il est assez euh, comment, minimaliste. Tu vois ce que je veux dire Le thème début étant assez minimaliste, c'est facile de, entre guillemets, de brander avec des jolies images, etc. C'est relativement facile de brander quelque chose. Effectivement, il y a je ne sais plus qui qui disait euh, un petit peu plus tôt euh, tu prends le thème début et tu rentres un peu dans le code. Oui, tu peux faire ça, ou tu peux payer des gens pour rentrer dans le code, par exemple. Tu peux faire ça. Bien sûr, il y en a qui le font. Il y en a qui prennent des thèmes gratuits de Shopify, par exemple, et ensuite qui rentrent dans le. Qui rentre dans le code pour le rendre un petit peu plus personnalisé. Okay Donc voilà, pour le premier thème dont je voulais vous parler, c'était le thème début. Le deuxième thème dont je voudrais vous parler, c'est le thème, c'est un que j'utilise très souvent. C'est le thème venture. D'ailleurs, c'est en général quand je parle de thème gratuit, c'est toujours, euh, toujours cela dont je parle, c'est toujours euh, début et le thème venture. Donc on va faire view démo sur le thème Venture. Le thème Venture, il ressemble à ça. Pour ceux qui étaient là d'ailleurs en passant sur mon le live que j'ai fait euh, il y a peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça où j'ai déballé ma boutique euh, qui m'a fait exploser j'ai utilisé le thème Venture. J'ai commencé avec le thème début. J'ai commencé avec le thème début et ensuite, j'ai utilisé le thème Venture quand j'ai voulu un peu euh, comme euh, un petit peu un petit peu scaler si vous voulez, tu vois. Si vous voulez, tu vois. <laughs> Donc c'est ça. J'ai utilisé le thème début pour démarrer et ensuite j'ai switché sur le thème venture. Donc... Oups, voilà. Le thème venture, il ressemble à ça. Donc il est relativement propre quand même, tu vois. Le thème venture est relativement propre, tu vois. Moi, je l'aime bien. Tu peux ici le, le voir sur mobile, par exemple. C'est ça que je fais moi. généralement quand je veux choisir un thème, je regarde dans un premier temps si sur mobile il est, il est beau, si il rend bien, s'il si va vite, etc. Et puis euh... et puis ensuite voilà. Et ensuite ça, ça me permet de entre guillemets de faire mon choix, tu vois. Mais c'est ma priorité moi, c'est toujours le mobile. Ok. Donc quand on va regarder un petit peu les pages produits, bah, c'est quand même, tu vois, c'est le thème Venture est plutôt propre, tu vois. C'est propre. C'est propre, le thème Venture va relativement vite aussi, ça donne quoi sur Ordi Ça donne ça. C'est pas mal, tu vois. Moi je l'aime bien, les, il y a des gros boutons, etc. Moi c'est un thème que j'utilise, c'est un thème que j'utilise. Euh, J'ai une boutique qui tourne encore sur le thème Venture. J'en ai une qui, to qui tourne sur le thème Venture, et j'en ai une autre qui tourne sur le thème Turbo, et une autre qui tourne sur le thème début, tu vois. Donc voilà, le deuxième thème que je voulais vous montrer, c'était euh, le thème Venture. Maintenant, je vais vous parler d'un troisième thème qui n'est pas sur le Shopify Store, c'est le thème millionnaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le thème, le millionnaire thème Je regarde vos questions pendant que vous me répondez. Euh, apparemment, Pay Speed Insight, ce pas le feu. Ben, ça te donne un, un, un bar. Si tu connais une autre, un autre outil. N'hésite vraiment pas à, à, à nous le partager. Mais généralement, le Speed Insight, ça te permet de te donner d'autres informations aussi. Par exemple, moi, je suis habitué à utiliser ça parce que je suis un vieux de la vieille, entre guillemets. et euh... Je suis un vieux de la vieille et, euh... et avant, c'était pas mal ça qu'on utilisait. Donc finalement, c'est ça. Mais il te donne plein d'éléments intéressants. Par exemple... Euh... Pourquoi ton site RAM par exemple, tu vois Il te donne plein d'éléments pour, euh, pour te laisser pour te faire comprendre pourquoi tu as des problèmes, pourquoi tu as des ralentissements sur ton site, etc. Tu vois. Yacine qui dit il est lourd le millionnaire. Moi, j'adore le euh, millionnaire. Zen Angel, Debutify, on va en parler. On va en parler. Barry, t'en penses quoi de Fastlane On va en parler aussi. Oui, alors, euh, Bis qui dit Est-ce que tu connais le euh, Billionaire Thème En fait, ouais, le Billionaire Thème, en fait, je crois que j'avais mis dans ma liste de ceux, que je voulais, ceux dont je voulais vous parler. Non, non, mais je vais le faire. Je vais vous en parler. Le truc avec le Billionnaire Thème, en fait, c'est que c'est le thème Venture, mais en version un petit peu améliorée. Je crois d'ailleurs que le Billionaire Thème, dites-moi si, si, si mon info est, est bonne ou pas, mais il me semble que le Billionaire Thème, c'est. Euh, Romain de Dropshipping Reborn, c'est son thème à lui. Donc, c'est ça. Le thème, et le thème, euh, le millionnaire thème, c'est à peu près le thème venture qui a été amélioré et beaucoup plus amélioré pour le SEO. Puis il y a des fonctions supplémentaires, etc. Mais au départ, c'est le thème venture. Okay Donc, revenons-en à notre millionnaire thème. Pour ceux qui connaissent pas, ce qui est a de super cool avec le thème millionnaire, c'est que. Est-ce qu'il y a une démo Est-ce qu'il y a une démo Ouais. Non, il n'y a pas de démo, mais par contre, il y a des, Comme des, des images du, 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 du site, à voir un, un peu à quoi il ressemble. C'est un thème qui est simple, qui va relativement vite. Il y a Lesannes qui dit j'étais Matrix, ok, j'irai checker GT Matrix, ok. Donc, c'est ça, le thème millionnaire, c'est un thème qui est assez simple dans l'ensemble. Euh... Je vais bouger un petit peu la caméra, voilà. C'est un thème qui est assez simple dans l'ensemble, mais qui marche bien et qui est propre, tu vois. Moi, je trouve ça super propre. Ça, moi, j'adore, tu vois. Je suis un... Pour... Pour ceux qui me connaissent un petit peu, moi, vous savez que je suis un peu control freak. Là, moi, il faut que, il faut que je sois... Faut que faut que tout soit parfait, qu'il n'y ait rien qui dépasse, etc. Et ce genre de thème, moi, j'adore ça parce que c'est quand même vraiment... C'est propre, c'est vraiment... C'est propre, ça merge, tu vois. Donc c'est ça le thème millionnaire. Et l'avantage qu'il a, c'est que dans le thème millionnaire, qui est un thème gratuit, encore une fois, il y a tout un tas de choses comme, tu vois, ce genre de petits trucs, genre vous économisez... Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, vous ne voyez pas ma souris, malheureusement. Mais par exemple ici... Est-ce que je peux zoomer plus Non, je ne peux pas zoomer plus. Mais par exemple, euh, en dessous des étoiles, il y a marqué, par exemple, vous économisez 40 euros. 36% En dessous il y a marqué offre de lancement Il y a un petit minuteur Il y a tout un tas de petites choses Dans le thème euh, Dans le thème millionnaire qui sont inclus dans le thème On va regarder le deuxième Ça c'est moins beau mais après c'est une question de goût hein. euh, Voilà à peu près à quoi ça ressemble L'intérêt comme je te disais de, de millionnaire thème c'est qu'il y a des euh, D'inclus dedans il y a quand même des... Ben, ça aussi pareil c'est inclus dedans il me semble le 100% satisfait etc. J'ai eu des boutiques avec le thème millionnaire. J'ai arrêté parce que tout ce qui est euh, Scarcity, City etc. ça me je suis pas super fan. Mais euh... mais c'est ça. Donc euh... c'est un, un thème qui est vraiment pas mal. Et comme je te disais, il a des tout un tas de petites applications qui sont euh, qui sont incluses dedans. Est-ce qu'on peut les voir les applications qui sont incluses? Ouais, les plugins qui sont inclus dedans, c'est Sale Notification, donc c'est ça, donc c'est le Social Proof. Ça, c'est des Généralement, c'est potentiellement des applications que tu es supposé. que tu es obligé d'installer, pardon, à côté, tu vois. Le Social Proof, le, le méga menu, ça, c'est super bien, le Mega menu, tu vois. Luxor Avis, euh, Frequently Bought Together, euh, c'est donc les produits similaires. C'est qu'en bas de ta page, il y a un truc avec euh, marqué les. Euh, les autres produits qui pourraient potentiellement intéresser ton client. Tu peux avoir le suivi de commande, euh, la FAQ qui est, qui est faite un petit peu de cette manière-là, le RGPD qui est d'office dedans, tu vois, euh, les badges de sécurité comme je te disais un petit peu plus tôt, anti clic droit, bon ça pour moi je trouve ça super con, mais bon, c'est pas... Enfin, je vous... Bref, peu importe. Deuxième bouton à jouer au panier, ça veut dire que par exemple tu peux avoir ton, euh, euh, ton bouton à jouer au panier. On va changer de cam comme ça, je vais vous. Voilà. Hop. Tu as ton bouton à jouer au panier, par exemple. Et en bas, tu peux rajouter un deuxième bouton à jouer au panier. Et ça, 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 ça t'évite, par exemple. Alors, c'est une question de choix. Il hein. n'y en a pas un qui marche mieux que d'autres. Il faut que tu fasses des tests, comme d'habitude. De toute façon, tu sais que tout ce qu'on fait, en général, c'est toujours une question de test. Mais euh, mais c'est ça. Donc, en fait, as tout, ça t'évite d'avoir une. Tu sais, les sticky add to cart bar, là. Tu sais, la barre qui se colle en bas ou en haut, il y a marqué ajouter au panier, tu vois. Plutôt que d'avoir la barre, ben par exemple, ce que tu fais, c'est que tu utilises par exemple le, le. Tu utilises le... Un deuxième bouton d'ajout au panier, pardon. Ça, je trouve ça super bien. Il y, y a très peu de thèmes qui le font, ça d'ailleurs en passant. Et puis voilà, et intégration des apps de review. Voilà. Donc le millionnaire thème, pour, pour aller sur le site, hein, c'est pas compliqué, tu vas sur millionnaire-thème.com et puis tu as le thème millionnaire qui est entièrement gratuit. Tu as aussi le thème... Genre, J'en parle vite, rapidement, parce que je suis sur le thème millionnaire. Donc, il y a aussi donc le thème billionnaire qui est, euh, qui est développé par les mêmes gars que le millionnaire thème. On en parlait tout à l'heure. Celui-là, il est payant. Je ne m'attarde pas dessus parce que ce n'est pas un thème que j'utilise. Mais euh, j'ai vu vos questions, hein, les gens. Hein, j'ai vu vos questions. Je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je réponds toujours à tout le monde, moi. Et le billionnaire thème, c'est un thème qui est payant euh, et qui coûte. Il euh, n'y a pas pricing, quelque chose comme ça euh, je sais pas, je sais pas où il est le prix. On va faire télécharger. C'est un truc qui doit coûter 150 ou 200 balles, je pense. Tu vois, 197 balles pour une licence. Trois licences, c'est 500 balles, etc., etc. Bref, voilà. Je m'attarde pas sur le billionaire Thème puisque c'est pas, c'était pas dans mes plans de parler du billionaire Thème, premièrement et deuxièmement, c'est un thème payant. Et là, on est sur les thèmes, euh, on est sur les thèmes gratuits. Le dernier thème gratuit euh, dont je vais vous parler, c'est donc il y en a un qui l'a mentionné dans le, euh, dans le chat, c'est Debutify. Euh, ouais. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais aller sur la page de vente. Debutify, voilà. Euh, je vais répondre à vos questions. Dans, juste une fois que j'ai fini de vous présenter le, le thème des Beautify, je vais répondre à vos questions. Il y a des questions qui sont super intéressantes, d'ailleurs. Donc le thème des Beautify, en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec ce thème-là, c'est qu'il existe soit en version gratuite, soit en version payante. Et au, au, au plus, tu payes cher, si tu veux, et au plus, il te débloque des... Ça rame un petit peu, là. Dis-moi si ça rame, j'ai l'impression que ça rame, là. Ouais, je pense que ça rame. Putain, merde, fais chier. Merde, laissez-moi savoir si ça rame et je vais voir si je peux faire quelque chose. Mais... Si honnêtement, si ça rame, je sais pas pourquoi. Donc je recommence, je termine ce que je te disais. Donc Debutify, c'est soit tu le prends en, en version gratuite, ou soit tu le prends en... T'as plusieurs euh, plusieurs tarifs qui correspondent, en fait, plus tu payes cher, ou plus il te, débloque, il te débloque, pardon, Des... 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 des, des, des pas des applications, mais des possibilités, si tu veux. Donc, on va aller voir directement sur le, sur le site. Putain, ça lag. Ouais, je suis désolé, les amis. Hein. Mais je pense que là, ça va. Ouais. En fait, je pense que c'est mon autre cam. C'est celle-là qui lag. Non, ça lag plus. Bon, OK. Allez, ah, désolé pour les lags. Hein. C'est... Les, les joies du direct. <laughs> Bref. Donc, début, euh, débutify. On va fermer tout ça. On va fermer tout ça. On va fermer tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'il te propose des Beautify Donc, free download. Si je fais ça, non, c'est pas ça que je voulais. Euh, review add-on. J'aimerais qu'il me sorte le. Ah, ok, je vais faire des Beautify pricing. et Ça va être plus. Beautify pricing. Ouais, ça rame quand je change de caméra. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Donc voilà, Debutify Pricing. Comme je te disais, tu as une version gratuite qui marche très bien. Néanmoins, quand tu as la version gratuite, il y a plein de possibilités, il y a plein de fonctions qui ne sont pas. Euh... Bah, qui n'existent pas en fait. C'est le thème simple. Okay et plus tu payes cher, tu payes à l'année en fait, c'est où tu payes à l'année ou tu payes au mois, je crois. Ouais, c'est ça. Plus tu payes cher et plus ça va te débloquer, te débloquer pardon, des et puis ça va te débloquer des, des fonctionnalités. Donc, par exemple, la version gratuite, tu as juste le thème, le groupe Facebook chat, et that's it, tu rien d'autre, tu vois. Et si, par contre, tu commences à payer, genre, 114 dollars, ça fait, je pense, 100 euros, je pense, 114 dollars. Euh... Ben voilà c'est ça donc si tu payes 114 dollars tu as le, le, le petit truc ajouté au panier qui commence à s'animer tu as le, le minuteur etc le card discount tu as tout un tas de choses et voilà et plus tu payes cher et plus ça te donne des possibilités par contre quand tu payes la totale euh, c'est 500 balles par an pour trois euh, euh, licences ou alors c'est 280 balles par an pour 3 licences c'est cher, on va se le dire honnêtement, c'est cher parce que tu payes tous les ans. Contrairement à, par exemple, un fast lane ou peu importe, même si je trouve que c'est un thème qui est cher, contrairement à un fast lane ou un truc comme ça, où tu payes une seule fois, là, tu payes tous les ans. Tu vois Mais le thème des Beautify est super, super cool. Euh, et à quoi il ressemble, en fait Le thème des Beautify, il ressemble à ça, en fait. Hop. Ça me gonfle, ça, les, tous les trucs qui, qui te sautent à la gueule. Là. Donc, euh, je vais juste enlever ma cam pour que vous puissiez voir en intégralité. Ici en bas, en bas à gauche, vous allez voir, il y a le, il y a des, voilà, tu vois, il m'a Ricky purchased etc. Donc il y a le social proof, ok. Et puis, euh, et puis voilà. Donc tu as pas mal, la version gratuite, la version payante, pardon, t'as, as quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont super cool. Les pages produits sont pas mal aussi, tu vois. Même, même la navigation est cool, tu vois, le fait que directement ici tu puisses changer la, euh, les variantes, les choses comme ça, tu peux le mettre dans ton panier directement. Euh, toutes ces choses là tu vois c'est quand même un thème qui est euh, qui, qui est quand même vraiment cool tu vois tu vois tu as toutes les options comme ça euh, plus que 50 stock, les, les gens qui sont en train de regarder ça c'est super j'aime beaucoup ce genre de truc c'est voilà, je, je vous montre avec la souris mais je sais que vous ne voyez pas en plus je suis trop con en dessous de 3 uh, people are viewing this right now il y a marqué bet it between uh, get it pardon between uh, june 14 etc ça j'adore ce genre de, 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 de petites options tu vois donc, c'est un thème qui est cool. En plus, c'est un thème qui fonctionne avec les, le, le système de tags. Enfin, de tags, de, tag, de, de tabs, pardon. C'est des, euh, des petits trucs comme ça, là, tu vois. Donc, c'est vraiment un thème qui est cool. Et puis, sur mobile, il rend pas mal. Inspecter. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Euh, et donc, sur mobile, il ressemble à quoi Le thème des Beautify, il ressemble à... Il ressemble à ça. Voilà, en gros, à peu près. C'est à peu près ça. Donc, c'est pas mal. Hein. Honnêtement, c'est pas mal. Moi j'aime bien. J'aime bien, mais encore une fois, c'est un budget. C'est un budget, c'est un budget. Voilà. That's it pour les, euh, pour les thèmes payants. Je vais juste switcher de caméra en espérant que ça ne rame pas. Ouais, en fait, c'est quand je switch de caméra... Ah putain, ça fait chier ça quand même. Je vais essayer de faire un truc en espérant que... Ouais, ok, je vais faire ça. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. Ça va être mieux comme ça. Euh... Mettre un peu de lumière peut-être. Alors c'est con, hein je, dis un... je mets un peu de lumière, il est 14h de l'après-midi, là, il y a de la lumière à fond partout, mais c'est ma cam qui est un peu, euh... peu pourrie. Bref, euh... je vais répondre à vos questions maintenant, un petit peu. Euh... Juste une toute petite, 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 petite seconde. Je vais mettre un peu de. Voilà! Hop là, vous allez me voir mieux. All right, parfait. Donc, euh, je réponds un peu à vos questions. Il y avait des questions qui étaient super intéressantes. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Euh... Venture est noté 57 sur mobile. Ouais, c'est pas le meilleur, c'est pas le thème, des, les, le thème les plus optimisés. Moi, je l'aime bien, je suis habitué à l'utiliser. Mais euh, c'est pas le plus optimisé. Clairement, clairement, c'est pas le plus optimisé. On est d'accord là-dessus. Donc ouais, c'est ça, ok. Donc le thème, euh, comment il s'appelle euh, Billionnaire, c'est de l'affiliation que Romain SEO, il fait euh, dessus, ok. Marketing is gold, tu dis pour les bijoux, est-ce que tu as un thème à recommander Et il y avait Alicia aussi qui demandait pour du POD, quel thème je, euh, je recommande Ça, on va en parler dans la troisième partie parce que je vais vous montrer des thèmes qui sont vraiment adaptés à vos niches, ok Il euh... y a Brico Reno qui dit que euh, la vidéo est trouble, je sais pas pas, je pense que non. Bah dites-moi, oh shit. C'était il y a combien de temps ça Bah c'est il y 6 minutes, je pense que c'est rentré dans l'ordre. Dis-moi si c'est rentré dans l'ordre et que ça que est, que tout est bon. Hein. Euh... Anthony qui dit toutes les options que l'on trouve dans les thèmes payants, j'ai réussi à les mettre sur le thème début parce que tu t'es pas codeur. « Je ne suis pas codeur pour ceux qui veulent essayer. Ben, » Ce serait intéressant que tu me parles un petit peu de comment tu as fait, un petit peu pour, euh, si tu n'es pas codeur, autre qu'en installant des applications. Je, je, moi, perso, je ne vois pas comment tu peux faire à part en installant des applications. Mais oui, tu peux très bien faire ça. Tu peux très bien prendre le thème début, par exemple, installer des applications et ça va te faire comme un autre thème, par exemple. Bien sûr que tu peux faire ça. « Barry, est-ce que tu as essayé Fastlane ?» Oui, je vais en parler juste après. Je l'ai acheté, Fastlane, tu vois euh, et Chris qui dit il aime pas ce thème, voilà mais encore une fois je vais en parler juste après, je vais vous expliquer beaucoup de Youtubers font la promotion du thème Speedfly, quel est ton avis sur ce thème je vais en parler juste après euh, Fastlane c'est le thème de Nat Dropshipping, non euh, le thème de Fastlane c'est le thème de, c'est Ulrich Vallée et c'est le thème qui est vendu par euh, Yomi Denzel Enfin, Yoy Denzel fait de l'affiliation sur le thème euh, Fastlane. Euh, le thème de Nat Dropshipping, écoute, euh, j'ai aucune idée. Je, le thème Optimized, j'en ai, ai jamais entendu parler. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais regardé une seule vidéo de Nat euh, Dropshipping ou je sais pas quoi. Je sais pas qui c'est ce gars-là. Enfin, on en a parlé, mais je sais pas qui c'est. Pourquoi je t'aime pas Fastline Je vais en parler, t'inquiète pas frérot, je vais en parler, il n'y a pas de problème. Pour la niche des mères, enfants, tu as une idée de quel thème. Tout ce qui est thème relatif aux niches, on va en parler juste après les thèmes, euh, les thèmes payants. Ok euh, Ça rame beaucoup. Ouais, il ben, y a du monde qui dit que ça rame, mais d'autres qui disent rien. Donc j'imagine que. Euh, marketing is gold si ça rame chez toi je pense que c'est chez toi mon gars parce que même moi euh, parallèlement en, en même temps que je vous parle j'ai mon iPad où je me vois je pour euh, comme vérifier et puis ça rame pas en fait donc euh... donc mon avis sur le thème finalement euh, optimize de nat j'en sais rien puisque je connais ni le gars ni le thème mais on peut aller regarder par exemple on pourrait très bien aller regarder par exemple hop Ch shopify Optimize par exemple. On peut aller regarder. Nat, Ecom, Theme, Optimize, Shopify. On peut aller voir. Moi, je suis, je suis là pour apprendre aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Tous ceux qui viennent, ben déjà en passant, merci pendant que ça charge, là, en passant, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, salut aussi à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, et tous ceux qui viennent de nous rejoindre encore une fois, pour la troisième fois que je me répète, euh, mettez un pouce bleu, ceux qui ne sont pas abonnés, profitez-en, abonnez-vous, moi ça me fait plaisir de vous compter parmi ma grande famille, ok euh... Alors, ça dit quoi ce thème on est 32 en cours là et il y a 14 likes. Qu'est-ce que. Pourquoi <laughs> Pourquoi euh, Donc, alors, le thème, le thème, le thème. Euh, ok, thème à 200 balles. Ok, pourquoi pas. Euh, Est-ce qu'il y a une version démo Moi, je voudrais la version démo. Ok, voir la boutique. Ok. Bon, ça rame un petit peu là le, la capture d'écran, c'est normal. C'est justement parce que c'est la c'est justement parce que c'est euh, la capture d'écran. Hein. Mais euh, je pense pas que son site rame. D'ailleurs, on peut s'amuser, hein. on, on peut faire ça. On peut aller sur euh, donc Pay Speed Inside et puis on va regarder euh, combien il... le score de ce thème là. Hein. On peut faire ça. Hop, on va regarder. Dans ce temps-là, je bois un petit coup. Le thème motion, c'est le meilleur. Je connais pas ce thème-là non plus. Zen Angel, tu dis J'espère que tu auras pas trop d'abonnés euh, à l'avenir. C'est mieux d'être en petit comité. Oui, mais malheureusement, c'est pas quelque chose d'extrêmement motivant si tu veux d'être. Euh, de faire des. par exemple, d'avoir. 400 vues sur une vidéo 500 vues de faire des lives devant 20 personnes etc c'est quand même honnêtement euh, des fois je me dis pourquoi je fais ça tu vois je me dis pourquoi je fais ça parce que finalement euh, bah, c'est beaucoup de comment dire beaucoup d'efforts beaucoup de sacrifices beaucoup de travail moi je suis quelqu'un qui soit, qui soit assez simple entre guillemets sympa dans le sens où je donne beaucoup je fais je donne beaucoup d'informations pertinentes et gratuites et euh, c'est sûr que si après, euh, je vois qu'il y a très peu de monde à mes lives, que je vois qu'il y a euh, très peu de vues sur des vidéos qui m'ont pris des, des, des heures et des heures à faire, tu vois, honnêtement, c'est vexant. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement, euh, comment, euh, comment dire, égocentrique, genre. Et euh, moi, quand je travaille fort sur un truc et que finalement, ça ne me rapporte pas beaucoup de likes ou très peu d'abonnés, etc., je le prends personnellement, tu vois. C'est une bonne chose que je sois égocentrique dans le sens où ça m'aide à faire les choses, à essayer de faire les choses mieux que les autres, tu vois. Mais euh, malheureusement, quand ça n'a quand ça pas l'effet escompté, ben, je le prends mal et je le prends personnellement, tu vois. Bref, faire de la parenthèse. Je pourrais en parler des heures ce genre de choses. Donc le thème euh, optimized, ben voilà. Voilà. J'ai rien de plus à, à dire que ça. Barry, qu'est-ce que tu penses du succès thème Je ne préfère pas en parler. Okay. Le succès thème, c'est... Je ne sais pas si je vous dis ce que j'en pense ou pas. Ouais, je vais vous... bah, écoute, je vais vous dire ce que j'en pense. Le success thème, c'est House of Success, des gens que j'aime pas. Déjà, premièrement, je les aime pas. Euh, leur thème, euh, c'est le thème début un petit peu amélioré. Je vous invite à aller voir d'ailleurs ce qui a confirmé d'ailleurs ce que je pensais. Sur, euh, sur, euh, sur le success thème et sur euh, House of Success, il y a euh, Dropshipping Reborn qui a fait une vidéo. Vous irez voir ça une fois que le live sera fini, bien évidemment. Vous irez voir ça. Euh, voilà, non. House of, success, House of Success, pardon, pour moi, c'est non. Le, le success thème, c'est non de chez non. Parce que c'est un thème qui vaut 200 balles, alors que c'est juste le thème début avec euh, un peu de code codé euh, avec les pieds par l'équipe de Shopify. Non, pour moi, c'est un grand non, tu vois. Mais euh, je vais quand même éviter le strike, donc je vais fermer ma gueule. <laughs> Parce que les strikes sur YouTube, ça fait mal, tu vois, ça peut te faire tomber ta chaîne. Donc je ne vais pas embarquer là-dedans. Si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que je pense de tout ça, euh, vous pouvez m'écrire en privé, je vais me faire une joie de vous expliquer ce que j'en pense. Mais <laughs> bref, voilà. Donc voilà, le thème optimized, euh, il est peut-être très beau, mais il est quand même... Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors après, effectivement, souvent, ce qui se passe, c'est que quand les gens, quand les, quand, euh, sur une page de vente, par exemple, sur un site, euh, un, une boutique vitrine, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils mettent toutes les options possibles et inimaginables pour montrer toute l'étendue euh, des possibilités d'un site. Tu vois, les, toutes les, ils mettent tout, 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 tout. Donc souvent, les scores sont moins bons parce qu'ils mettent tout, ce que tu ne vas pas nécessairement, toi, sur ta boutique, mettre tout le temps. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc, voilà. Donc le thème est pas mal. Par contre, je le trouve joli. Ça, ça me plaît. Je trouve ça, c'est beau, c'est propre, c'est carré, c'est, c'est super. Moi, je trouve ça joli. Voyons les pages produits. Ouais, Alicia. D'ailleurs, si tu fais bien de. Je, je, je rebondis à ton commentaire qui n'a pas rapport avec le, le sujet, mais qui a rapport avec ce que je disais avant. Tu disais, je comprends, moi aussi je suis sur YouTube et c'est beaucoup de travail pour, pour peu de vues, mais il faut persévérer, je pense. Oui, d'ailleurs, Alicia, je vais switcher pour te parler en face dans les yeux là. Continue comme ça. Moi, tes vidéos, je les vois, elles passent sur mon. Elles passent dans mes, dans mes, dans mes suggestions. Je, je suis abonné d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'elles passent dans mes suggestions, mais moi je suis abonné à tes vidéos, même si c'est pas ma niche. Je suis abonné à tes vidéos et à chaque fois que tu poses une vidéo, je te mets un like et puis je la regarde. Parce que même si c'est pas ma niche et puis que le sujet dont tu parles, ben moi je m'en branle complètement. Euh, lâche pas. Lâche pas. Lâche vraiment pas. Parce que euh, le plus dur, c'est maintenant. Le plus dur, c'est ce que tu fais maintenant. C'est le fait de faire beaucoup de vidéos et puis qui ne te, ra te rapporte pas grand chose en termes de, de vues et de, euh, de résultats. Tu vois Mais vraiment, Alicia, ne lâche pas. Tu tiens le bon bout, tes vidéos sont de mieux en mieux, je vois. Maintenant, tu commences à faire du, des cuts, des montages et tout. Donc, vraiment, Alicia, lâche pas, continue comme ça. Et voilà. Bref, on revient à notre sujet initial. Il y a eu plein de, de, de petits commentaires sympas pour montrer votre soutien. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Hein. Ça me fait super, super, super plaisir de voir que la communauté grandit. Ça me fait de la peine, vraiment, hein, ça me fait de la peine quand je vois que des fois je fais des lives et qu'on n'est pas très nombreux. Mais écoute, les meilleurs sont là. Les meilleurs sont là aujourd'hui d'ailleurs. C'est ceux qui sont majoritairement là à tous les lives. Donc merci à vous pour votre soutien. Et puis voilà, bref, on va repartir sur le sur le, le sujet initial. Marketing is gold, tu dis le chiffre que donne Page, page Insight, c'est sur la rapidité du site. Ouais, c'est ça. Ça te note sur la rapidité. La rapidité. La rapidité. La rapidité du site, ouais. Plus un site est... Euh, plus un site est, est rapide et, et finalement plus entre guillemets moins ça aura d'impact sur ton taux de conversion tu, tu comprends enfin comment dire plus ça aura d'impact sur ton taux de conversion dans le sens euh, comment, comment, comment je pourrais expliquer ça comment je pourrais expliquer ça en gros si, si tu prends à l'envers plus ton site est lent plus ça aura un impact sur ton taux de conversion voilà tu vois l'inverse n'est pas nécessairement vérifiable mais si tu veux le fait d'avoir un site rapide, tu élimines les potentiels problèmes de de conversion dus aux lenteurs de ton site. Bref, euh... Euh, voilà. Ouais, euh, Alicia, montre. Euh, tu peux poser le, ta pub dans, dans le chat pour ta chaîne. Il euh, n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Euh, moi, ça me fait plaisir. Donc vas-y. Poste ta chaîne. S'il y en a d'autres, parmi vous d'ailleurs, qui sont aussi des youtubeurs, qui font des vidéos, vous pouvez poster vos, vos trucs. Tant que vous polluez pas comme des, comme des ânes, là, comme euh, certains font, tu sais, sur les groupes Facebook, ils postent leur vieille pub dégueu, là. Ça, c'est non, ça, moi, ça dégage tout de suite. Et puis, c'est bannissement euh, euh, éternel de, de mon groupe et tout ça. Mais si là, vous, a, vous, êtes sur des, si vous avez des chaînes YouTube, par exemple, vous pouvez le poster. Il n'y a, a aucun problème, moi, ça me fait plaisir de vous aider. Bref. Euh, Barry, c'est quand le jour des lives ben, À date, c'est toujours les dimanches à 20h. Euh, à la fin du mois, là, on va avoir un petit, euh, un petit flottement où il y aura moins de lives parce que je vais déménager. Mais, euh, mais c'est ça. À date, c'est... Euh... À date, c'est toujours le... Euh, le dimanche à 20h. Il euh, y a une question intéressante... Putain, merde Il y a une question intéressante de euh, je sais plus qui qui me disait est-ce que j'ai un... Une formation sur Facebook, etc. Ouais, je vais te la mettre. Normalement, elle est mise dans le... Euh, dans le. dans la, la description, mais en fait, je vois que ça ne met que des points d'interrogation, donc ça a dû bugger. Donc je vais te mettre hop, tout de suite dans le chat le lien vers mes services. Et puis dans le lot, il y a ma formation sur Facebook. Voilà. J'arrête après avec mes parenthèses et je repars sur le... Dans le... Moi j'aime ça hein, parler de tout et de rien avec vous. Hein. Moi, c'est quelque chose qui C'est quelque chose qui me plaît. Hein. Donc voilà, euh, c'était Frédéric pour, euh, la, pour Facebook. Le lien que je t'ai mis dans le chat, va voir. Il y a le lien vers la formation Facebook, va voir. Bref, on repart sur le sujet initial du live. Ok Donc maintenant, on va parler des thèmes euh, payants. Les thèmes payants, alors je vais vous les mettre un petit peu dans l'ordre de mes préférences. Dans l'ordre de mes préférences, de ceux que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus, on va dire. On va commencer par thème Fastlane. Pourquoi j'aime pas Fastlane pas, Je ne dis pas que Fastlane est un mauvais thème. Je vais juste vous remettre la capture d'écran. Voilà. Donc pourquoi est-ce que le thème Fastlane, je l'aime pas Je dis pas que c'est un mauvais thème, mais c'est un thème qui, moi, ne me plaît pas dans le sens où, quand tu es dans le... Merde, je cherche une démo, en fait. Thème Fastlane, niveau de découvrir peut-être Ok. En fait, pourquoi Fastlane ne me plaît pas Fastlane est extrêmement bon comme thème et il va super vite. Néanmoins, moi, ce qui me gêne avec le thème Fastlane, pendant que je te parle, je cherche hein, une démo. Hein. Mais ce qui me gêne avec le thème Fastlane, c'est que ça, quand je rentre dedans, je comprends pas ce que je fais. Tu vois Quand je rentre dans le... Dans... Quand je rentre... Le thème conversion, Zen Angel, je ne le connais pas. Je suis désolé, je ne le connais pas. Mais on pourra toujours aller voir. Hein. Tu vois, on va faire thème conversion. On pourra aller voir ça après rapidement. Okay. Je vais essayer de m un peu plus euh, tracer là parce que ça fait presque ça fait 45 minutes qu'on est euh, ensemble et puis j'ai fait qu'un tiers du live. Okay. Donc voilà, c'est juste que moi, quand je rentre dans le thème de... dans les configurations, si tu veux, de, de Fastlane, j'ai l'impression que ça fait usine à gaz et je comprends rien. Tout simplement. Alors que c'est un thème qui est... Qu Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient et encore une fois, c'est un thème qui est super performant, tu vois. Le, la démo est en haut sur le truc dentaire. Ok, merci. Euh. <laughs> merci de, de me sauver là parce que. Euh, démo, 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 démo. Ah voilà, boutique démo. Merci. Donc voilà, c'est juste pour ça que moi, le thème Fastlane ne me plaît pas spécialement. C'est parce que je comprends pas. Quand je suis dedans, je trouve que c'est trop usine à gaz. Mais c'est un super thème, tu vois. Euh. Moi c'est beau ça, je vois ça, je trouve ça super beau, tu vois. Bon là évidemment ils ont mis le paquet, c'est normal, mais je... c'est super beau, tu vois, c'est beau. Moi je trouve que c'est un thème qui a... qui a de la gueule, tu vois. Il y a tout ce qu'il faut, euh... tu peux, enfin, si tu veux, voilà, il y a toutes les, les fonctionnalités nécessaires et voire même toutes celles qui ne sont pas nécessaires non plus. Mais voilà, c'est un thème qui est super cool. C'est un thème qui est super cool et qui est super beau. Pour un monoproduit par exemple, je pense qu'il doit y avoir un... Bon bref, je vais pas me prendre la tête, mais ben, ça c'est un monoproduit de toute façon je pense. Ouais c'est un monoproduit. Donc voilà, ça c'est un super thème, le thème Fataine, et c'est un, un super thème et il coûte... Euh, je crois qu'il coûte 200 balles ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est quand même un super bon thème. Néanmoins, moi je, je trouve que c'est un peu trop usine à gaz et ça me gonfle un peu. J'ai pas envie de me prendre la tête quand je monte un site. Euh, ben, déjà maintenant je monte plus de site parce que je préfère payer des gens pour le faire, parce que ça me gonfle. J'ai pas envie de perdre une semaine à monter un site. Je suis tellement perfectionniste que monter un site pour moi c'est un, un bordel. Hein. C'est trop compliqué pour moi de, de, de. Je suis pas capable de m'arrêter et de me dire ah c'est bon. Il faut toujours que je continue que je continue que je continue que je continue. Et même quand je paye des gens pour me faire des sites, ben je je continue, je fais, je mets quand même les mains dedans, tu vois. Mais voilà, bref, quand je montais des sites, euh, quand c'est trop easy ça me gonfle. Donc voilà, ça c'est le premier thème dont je voulais vous parler, le thème Fasten qui est un excellent thème qui est recommandé par beaucoup de gens, mais qui moi personnellement, et c'est un avis uniquement personnel, ne me plaît pas spécialement. Parce que je trouve que c'est un, euh, un petit peu trop usine à gaz. Hop là, je vais agrandir un petit peu mon image. Voilà. Le deuxième thème que je voudrais vous, euh, dont je voudrais vous parler, c'est le thème Speedfly. Speedfly, je l'ai acheté. Et je ne l'aime pas trop. Parce que... Euh, J'ai pas eu de coup de cœur, en fait. Voilà. J'ai pas eu de coup de cœur comme je l'ai eu pour le thème dont je vais vous parler en dernier. Mais euh, c'est ça. J'ai pas eu coup de cœur pour ce thème là, mais c'est un thème qui marche très bien. C'est un thème qui marche super bien. Euh, D'ailleurs, parenthèse, qui est drôle, c'est que Speedfly, ils ont un, une chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, Speed Ecom ou un truc comme ça. Et eux et moi, on fait un peu les mêmes, euh, on, on, sans le vouloir, d'une semaine, enfin, genre, genre, genre d'une semaine à l'autre, on fait un petit peu le même genre de, 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 de vidéos. On fait les mêmes thèmes. Donc, ce ça, ça, ça un peu drôle, c'est qu'on fait un petit peu la même chose finalement. Euh, donc voilà, c'est un thème qui est super bien, euh, qui est super beau et, qui, est, et qui, qui marche extrêmement bien. Néanmoins, moi, pour moi, je n'ai pas eu le coup de cœur. Aujourd'hui, il y a tellement de thèmes, finalement, euh, tu vois, je vais regarder par exemple une, une démo, il y a tellement de thèmes, si tu veux, aujourd'hui, euh, qui sont bons, que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le... comment dire, dans la... Euh, comment dire ça, dans le... dans la consommation de thèmes. Tu vois ce que je veux dire C'est que quand un thème ne te plaît pas, euh, bah tu, tu zap tu vois et tu passes à autre chose et moi j'ai pas eu vraiment de coup de cœur sur ce thème là donc je suis passé à euh... donc je suis passé un petit peu à autre chose mais je l'ai acheté aussi Fastlane euh, Speedfly pardon et puis euh, non 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 je j'ai pas été super fan par contre c'est un thème qui marche très bien ça c'est cool bon là il y a trop de il y a beaucoup de choses mais c'est quand même tu vois c'est beau c'est propre c'est et puis regarde ça aussi deuxième bouton d'ajout au panier ouais, vous... enfin, je te montre avec la souris mais je sais très bien que tu vois pas en plus trop con mais voilà en dessous de bleu t'as à nouveau une variante, et la quantité et le deuxième bouton à jouer au panier. Ça, c'est génial. ça J'adore les thèmes qui te permettent de faire ce genre de choses, tu vois. Euh, voilà. Donc, le deuxième thème qui est pas mal, encore une fois, mais que je n'utilise pas parce que je n'ai pas eu de coup de cœur, c'est le thème Speedfly. Je vais pas rentrer dans, le, dans, le, dans les détails parce que, de toute façon, le plus important dans la vidéo, enfin, dans le, dans le live, c'est la troisième partie du live. Le troisième euh, thème que j'apprécie, je ne l'ai pas encore acheté par contre, mais ça, ça se pourrait que je l'achète pour l'essayer. Donc c'est la, la version payante de Debutify qu'on a vu tout à l'heure. La version payante de Debutify est super bien. Il y a, Debutify, il, il marche bien, il va vite, il y a beaucoup d'options. Euh, pour moi, je pense que c'est vraiment personnel, ça fait partie du top... Euh, vous voyez rien C'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez rien Rico Reyno qui me dit on voit rien. Euh, ouais, mais c'est. On voyait. Oui, on voyait. Ben non, on voyait. Attends, attends, attends. Mais en principe, vous voyez, c'est juste que tu ne voyais pas ma souris. Euh, ouais, Anthony, le deuxième bouton, il y a un code pour ça. Ben oui, absolument, il y a un code. Il y a du code pour tout, hein. Non mais euh, Brico ce qui veut dire par le fait qu'il euh, y a un code, c'est si jamais dans ton thème, le thème que tu utilises, il n'y a, a pas de deuxième bouton, tu peux coder pour avoir un deuxième bouton. Bien sûr que tu peux. Bref, voilà, donc comme je te disais, le troisième thème, c'est le troisième thème que j'apprécie euh, et qui est... que je pourrais potentiellement te recommander, c'est des beautify en version payante. On l'a vu tout à l'heure des beautify, donc je ne vais pas revenir sur le... Je ne vais pas revenir dessus. On l'a vu tout à l'heure, en version payante, il a des, des excellentes fonctionnalités. Et puis... Euh, et puis voilà. Donc bref, des Beautify. Et le dernier que je voudrais vous montrer, c'est mon préféré, c'est le thème turbo. Le thème turbo, c'est un thème que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Qui est putain de cher. Le thème turbo, il, il, vaut, il vaut 300 balles. Hein. Mais euh, le thème turbo... Pour moi c'est... J'adore parce que je... bah déjà il va extrêmement vite, mais vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement vite. Pour ceux qui sont sur mon groupe, pour tous ceux qui sont sur mon groupe, j'avais posté un screenshot la dernière fois, j'étais à je sais plus combien, à 80% ou 90% de... de rapidité sur mobile avec mon thème. Mon site, tout fait, tout importé, les images, les applications, tout. Donc le thème turbo va extrêmement, extrêmement vite, mais par contre, il est super cher. On va regarder une petite démo par exemple. Moi, c'est mon, mon thème préféré. Je vais très honnête avec toi. Le thème turbo, c'est mon thème préféré. Parce qu'il va vite, les fonctionnalités sont bien, il est beau, il est propre. J'ai absolument rien à dire sur le thème turbo. Le thème turbo, il y a, divé, il y a différents euh, euh, thèmes dans le thème. Il y a. On va essayer de regarder. Il y a Portland, il y a. Euh, je voudrais essayer de vous montrer ça. Euh, Portland, il y a. Il y a différents, en fait, diff voilà. il y a différents thèmes. Voilà, tu vois, thème flex, thème portland, thème Florence, etc. Il y a différents thèmes possibles, enfin de, de, c'est des, des variantes en fait, si tu veux, du thème, euh, euh, du, du thème turbo. Mais moi, voilà, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, moi le thème turbo, je l'adore, je trouve qu'il est complètement ouf, il va super vite, il est, il est beau, il est propre, il est... Pff, moi, j'ai absolument rien à dire sur le thème turbo. Néanmoins, le seul bémol pour moi du thème turbo, c'est qu'il vaut 300 balles. Bon, tu payes une fois, mais euh, c'est quand même un thème qui vaut 300 balles. Donc, euh, faut pouvoir mettre 300 balles dans un thème, tu vois. Alors là, en, en l'occurrence, on a le thème dans un contexte euh, un peu... Euh... Allez, ça rame là. Allez, je m'excuse là si ça rame dans, un, thème, dans un, un truc un peu yoga ou sport ou je sais pas quoi j'ai l'impression qu'ils ont fait un gros micmac de tout et n'importe quoi là mais voilà essaye d'aller checker ça le thème turbo euh, encore une fois il est extrêmement cher mais putain moi je l'adore moi je, je suis un je suis un convaincu du thème turbo bref euh, je réponds à vos questions et ensuite on passera au dernier euh, entre guillemets chapitre du live hop là donc alors 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 il y a eu beaucoup de questions, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh... Ouais, euh, MM qui dit euh, pour le thème Fast Lane, Ulrich met en place des vidéos pour expliquer le thème. Ouais, c'est vrai et c'est super bien. J'ai pas des heures à regarder. Pour... C Encore une fois, c'est personnel. Hein. Je dis pas que le thème est mauvais. Hein. Encore une fois, parce que je trouve que le thème est extrêmement bon. Mais moi, ouais, j'ai pas des heures à... pour regarder des... Des... des vidéos pour apprendre à comprendre comment fonctionne un thème. Ça me gonfle. J'ai pas le temps et j'ai pas envie. Je pense que le pire, c'est en plus de pas avoir le temps, c'est que j'ai pas envie. De prendre le temps, je pourrais couper du temps sur autre chose et puis euh, me former sur un thème ou quoi, mais ça me gonfle. J'ai pas, pas, pas envie de faire ça. Euh... Et oui, MM, toi, c'est un, un thème que tu apprécies beaucoup, comme tu peux le dire dans les commentaires, et encore une fois, c'est un bon thème. Hein. Je sais que c'est un bon thème. Marketing is gold pour des paniers entre 15 et 30 euros. Que recommandes-tu comme outil de promotion Facebook, influenceur, Google Ads Je dirais pas Google Ads parce que Google Ads est cher. donc euh, Google Ads Google ne l'utilise pas si tu as des, 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 des produits qui, co qui coûtent moins de genre 50 balles. Tu vois, parce que Google Ads est très ciblé, mais c'est très cher. Je dirais pour des, des trucs d'entre 15 et 30 balles, oui, Facebook Ads, easy. Au moins c'est cher, au plus Facebook Ads ça va marcher. En gros. Après il y a des stratégies pour ça, on pourrait en parler, ont, ça pourrait faire le sujet d'un autre live. Des stratégies de produits pas chers pour ramener beaucoup de trafic sur ton site, pour faire beaucoup de ventes, pour récupérer beaucoup d'emails, pour, pour mettre en place des upsells et tout un bordel comme ça. C'est des stratégies, il y en a qui le font. Hein. D'ailleurs, ma première, première boutique qui a explosé, c'est cette stratégie-là cette stratégie que j'ai employée. C'était des petits produits qui étaient vraiment pas chers et qui m'ont permis en fait d'acquérir beaucoup, beaucoup de données très vite. Et après, j'ai pu changer mon offre et puis euh, mettre des prix plus, plus, plus chers et puis commencer vraiment à gagner de l'argent. Je pourrais faire un live là-dessus si vous voulez. Il hein. n'y a, a pas de problème. Donc, pour les produits entre 15 et 30 balles, euh, ouais, je dirais Facebook, bien sûr, et puis Influenceur aussi. Après, ça dépend de ton produit, mais voilà. Alors, tu vois, il y a plein de gens dans le, dans le chat qui sont convaincus entre guillemets par le thème Fastlane ça prouve que c'est un bon thème encore une fois tu vois moi je te parle de mon expérience et comment je vis je vis moi les choses euh, alors alors, alors qu'est ce qu'on a là euh, si on voit maintenant ok j'ai Speedfly, le deuxième non sur le thème il le fait voir le minimum euh... ok donc non c'est bon c'est bon c'est bon The Angel, salut, merci d'être venu. Euh, puis bonne soirée, bonne nuit. <laughs> voilà. Euh, Chris, t'as le thème Turbo. Qu'est-ce que t'en penses Du thème Turbo, ça m'intéresse. De... J'imagine que si tu l'as, c'est que tu l'utilises et que tu l'apprécies, mais... Euh, voilà. Billionaire Thème est cool aussi. Ouais, le Billionaire Thème est cool, ouais. Euh, voilà, voilà, voilà. Je ne suis pas en métropole. Je m'aperçois que le thème Venture est à 52 et non 57. Ça veut dire que... « Le lieu de connexion joue sur le temps de chargement du site. » C'est une excellente question. Est-ce que tu as utilisé le même lien que moi Ça pourrait être intéressant de le savoir, ça. Euh... Tu demandes à Coréen s'il te rajoute de suite un bouton. « Il y a des thèmes français et des thèmes d'autres pays. C'est quoi la différence Quel thème utilisent les Ricains et les Canadiens ?» Bisba, c'est une super bonne question. Il y a des thèmes français, oui. Par exemple, « Speedfly » est un thème français. Euh, comment il s'appelle Fastline est un thème français euh, voilà donc euh, oui il y a des thèmes français il y a des thèmes euh, plus américains je crois que pardon, le millionaire thème aussi est un thème français je crois que le millionaire thème tout, tout n'est pas euh, Tu peux pas tout traduire dessus c'est un, un des trucs qui a fait que je crois j'ai viré ce thème là j'ai arrêté de l'utiliser parce que je ne pouvais pas tout traduire et que je fais étant donné que je fais pas de business sur le euh, j'avais utilisé pour un essai en fait sur le marché francophone et puis voilà, vu que je ne fais, fais rien sur le marché francophone, j'avais zappé ce thème-là parce que je ne pouvais pas tout traduire. Quel thème est utilisé par les, euh, les Américains et puis les Canadiens Turbo. <laughs> voilà, Turbo, c'est un thème qui est super réputé ici. Euh, D'ailleurs, tous les, les gros, gros, gros dropshippers, là, ceux qui font des, du, que du produit winner, que du produit winner, ils ont tous ici, sur le marché anglophone, hein, aux États, au Canada et tout ça, ils ont tous, ou majoritairement... Euh, des boutiques généralistes. Oui, oui, des boutiques généralistes. Ce que je vous dis de ne pas faire, eux, ils le font, mais c'est le marché anglophone, c'est un peu différent, là. Mais euh, ils ont très souvent des boutiques généralistes sur lesquelles ils utilisent le thème turbo. Parce qu'ils ont beaucoup de produits, ils ont beaucoup de, de trucs euh, de, de scarcity, euh, beaucoup de... C'est super chargé, en fait. C'est dégueulasse, je trouve ça horrible, mais c'est quand même super chargé. Donc le thème turbo est extrêmement utilisé ici. Euh... Ok. Je peux te donner le thème turbo et des Beautify. Bah, je moi, bah, euh, thème turbo, j'utilise moi. Je l'ai acheté. Euh, voilà. 300 balles pour une boutique ou illimité. Euh, le thème turbo, il me semble que c'est euh, pour... Bah, J'en sais rien, en fait. C'est une super bonne question. Thème turbo, thème turbo, thème turbo. Je dirais que c'est pour une seule boutique. Buy turbo, on va voir. C'est une bonne question, ça. Hein Hop, là, je vais vous mettre l'écran. Euh... Euh, ils disent quoi Ils disent. Euh, temperatures include one year of free. Je sais pas si tu peux l'utiliser sur plusieurs boutiques. Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Il bah, n'y a rien qui dit que tu peux pas l'utiliser sur plusieurs boutiques. Voilà. Bref, euh, je vais continuer, je vais continuer. Euh... Chris, tu me demandes comment est-ce que tu peux me joindre. Bah, tu peux me trouver sur... Ou, ou alors tu vas sur mon groupe Facebook. Euh, c'est iCom Samouraï, comme le nom de ma chaîne YouTube. Ou alors tu vas tu me trouves sur Facebook également en personne, euh, mon, mon compte Facebook Pro. Et c'est Fabien Baudouin icom samouraï. Pas, moi je ne suis pas compliqué à trouver. Tu tapes icom samouraï, tu me trouves forcément quelque part. Euh... Voilà, voilà. Qu est-ce est qu'il y a d'autres questions euh, euh, ah oui, ok, super, bonne question. Quel thème pour la, une niche d'articles sur les bébés Ben, on va voir ça tout de suite, là. Les, les, les thèmes en fonction de ta niche. On va voir ça tout de suite, dès que j'ai fini de répondre aux questions, là, et il n'y en a plus. Ouais, Chris, tu dis le, Les Américains utilisent beaucoup Turbo thème et Booster Thème. Ouais, absolument. J'ai oublié Booster Thème, mais oui, oui, il est super utilisé. Euh. Donc, finalement, euh, Thème Turbo, c'est une licence par boutique. OK, voilà. Donc, merci, euh, les ânes, de confirmer, de euh, bah, donner la réponse à une réponse que je n'avais pas. Parce que même quand j'ai pas la réponse, bah, je pense qu'à un moment donné, il faut, faut être honnête avec soi-même et se dire, bah, je n'ai pas la réponse. Donc, bref, on va passer à la suite. Je vais vous expliquer la dernière chose que j'avais à vous montrer concernant les niches euh, qu'elles thème finalement utilisé pour ta niche et pour ça on va aller sur un site qui s'appelle thème forest est ce que ouais c'est bon tout est bon ok donc thème forest c'est quoi c'est un site qui regroupe plein de thèmes que ce soit oui d'ailleurs Chris, tu dis tu me donnes ton Insta, c'est sûr que je ne vais pas le rentrer, parce que je suis en train de faire le live, donc c'est sûr que je ne vais, je vais pas avoir le temps de rentrer. J'ai aussi Insta, pour ceux que ça intéresse, icom e tiré du bas samouraï. Voilà. Il n'y a pas de tréma sur le samouraï, puisque sur Instagram, tu ne peux pas mettre de, de caractères spéciaux, mais... Sur Instagram, icom e bas samouraï Donc si vous voulez me rejoindre sur... Euh sur Instagram. Je, je D'ailleurs en passant, en parlant d'Instagram, je parle souvent ou je fais des petites stories, des trucs comme ça. Je poste pas beaucoup de contenu, mais c'est plutôt des stories. Je partage si un jour j'ai un truc à dire qui ne fait pas nécessairement le sujet d'une vidéo, je le dis sur Instagram. Donc voilà, en story. Donc rejoignez-moi. Icom tiré du bas, samouraï. Donc euh, Merci Megan pour euh, ton petit. Euh, merci Megan pour ta petite... Euh, petit compliment est ce que tu as un avis sur le thème venture oui j'ai un avis sur le thème venture top gratuit vas-y j'en ai parlé j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le live quand le live sera fini reviens dans, dans le bah, reviens sur le live et puis tu pourras trouver le, le moment où j'en parle donc bref je repars sur euh, thème forest je vais arrêter de répondre aux questions je vais voir un petit coup et je vais vous parler de thème forest sur thème forest en fait, donc, qu'est-ce que c'est que ThemeForest C'est un site qui regroupe, en fait, sur lequel tu peux acheter des thèmes et puis plein d'autres choses, tu vois, du code, des vidéos, peu importe. Mais là, on va sur sur, tout, sur tout, se concentrer sur tout ce qui est thème. Tu vas dans e-commerce ici, tu descends en bas, par exemple, sur Shopify. Mais il y a des thèmes sur euh, plein d'autres trucs, hein. Tu sais, PrestaShop, euh, WooCommerce, peu importe, WordPress, euh, tout ce que tu veux, genre euh, Magento et tout ça. Donc, et ce qui nous intéresse avec ThemeForest, ce que j'ai appris. Ce que j'apprécie particulièrement sur thème sur Forest, c'est que tu peux choisir des thèmes qui vont être potentiellement plus adaptés à ta niche. Alors, attention. Super important ce que je vais te dire là. Ce n'est pas le thème qui va déterminer si tu vas vendre ou pas. Okay Néanmoins, c'est le thème qui va t'aider à comme, brander, à, 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 comment dire, à augmenter à un petit peu ton, ton branding et ton image de marque, etc. Okay le thème, c'est pour moi quelque chose qui... Acheter un thème, par exemple, c'est quelque chose qui ne se fait pas nécessairement tout de suite. Tu peux démarrer avec des thèmes gratuits, mais à un moment donné, quand tu veux augmenter ton image de marque, quand tu veux commencer à brander, quand tu veux commencer à scaler des choses comme ça, ça vaut la peine d'acheter un thème qui est comme finalement plus adapté euh, à ta niche. Okay Et c'est pour ça que Thème Forest est génial, c'est que sur Thème Forest, tu peux euh, comme rentrer dans des catégories de niches. Donc par exemple. Euh, Donc par exemple, ok c'est bon, j'ai pas de, j'ai pas de photo. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. Euh, donc par exemple, on va aller dans fashion par exemple. Et là, ben, on va regarder, il te sort un peu tout un tas de thèmes euh, relatifs à tout ce qui est fashion, ok. Donc on peut regarder. Et regarde, regarde les prix. C'est ça qui je trouve qui est intéressant, c'est regarde surtout les prix. 79 dollars le thème. 39, 89, 59. 48, 69, 56. T'en as même des thèmes des fois à 29, 19, 39, etc. C'est des dollars, hein. c'est des dollars US. Donc par exemple, je ne sais pas moi, un thème à euh, je sais pas moi, 60, 60 dollars, ça te coûterait, je sais pas moi, 50 euros, je pense, un truc comme ça. Donc ça vaut largement la peine, si tu veux, de quand tu veux passer à l'étape au-dessus, d'aller par exemple sur thème Forest et puis d'essayer de trouver un, des, un thème qui correspond plus à ta niche. Par exemple, si tu fais des vêtements... Par exemple, le thème est là et super bien noté puisqu'il a eu 15 000, tu vois ici là, sur la... en dessous du prix. Je te montre encore une fois avec ma souris, mais je sais que tu ne vois pas ma souris. En dessous du prix, il y a les étoiles, donc on peut savoir si le thème a plaît aux gens ou si le thème ne plaît pas aux gens. On peut savoir le nombre de fois où il a été vendu, etc. Et puis aussi, on peut avoir un preview du thème. Euh, donc, c'est ça. Donc, par exemple, le thème est là. On va descendre un petit peu plus bas. Voilà. Il te propose tout un tas de designs un petit peu différents. Donc, on va cliquer sur... Euh... En plus, tu vois, c'est bien fait. Tu as juste à passer ta souris dessus et tu peux déjà voir à peu près à quoi il ressemble le site, tu vois. Donc, on va cliquer sur le premier qui vient pour aller voir un petit peu euh, à quoi ça ressemble un peu plus en détail, si tu veux. C'est un thème. Celui-là, le thème est là. J'ai pris le premier qui vient, mais c'est juste pour te donner un exemple. Il coûte 79 dollars. Ça coûte... C'est quoi C'est 70 euros, je pense c'est des, des licences, c'est une licence à vie, tu vois. Donc, tu payes ton truc 70 balles une fois ou 60 balles une fois, et ensuite c'est fini, tu vois. Donc par exemple, voilà à quoi il ressemble le thème. Moi, je trouve ça pas mal, honnêtement. Je trouve ça vraiment pas mal, tu vois. Tu peux avoir des trucs comme euh, euh, Limited Time Offer, par exemple. Tu peux avoir le prix, bon, ben, prix barré. Bon, ça, c'est un classique. Hein. Euh, tu peux avoir l'image qui change quand tu passes dessus, tu vois. Tout un tas de petites choses. Donc, ça, c'est par exemple un thème parmi tant d'autres. Si tu fais du mobilier, c'est un thème qui est adapté, tu vois. C'est clairement un thème qui est adapté. Ici, en dessous, tu as le système de tab, tu vois. Ça, je trouve ça génial parce que ça te permet aussi souvent d'alléger tes pages de vente, d'utiliser des tabs comme ça. Plutôt que de faire les pages de vente qui font 3 km, tu fais les systèmes de tabs. Voilà, tu vois. Donc, ça, c'est génial. C'est un thème, un thème, par exemple, qui est super bien, qui m'a l'air super cool et pourtant, bah, il coûte 70, 79 dollars, tu vois puis tu as plein de designs différents, donc tu choisis un petit peu euh, le design que tu veux. Tu vois Et en fait, finalement, euh, c'est ça l'idée qu'il y a derrière, c'est d'essayer de trouver... D'aller naviguer un petit peu dans les, euh, dans les, les thèmes qui te montrent pour essayer d'en trouver un qui te branche. Et si mettons, ben, bah, on va dire... Euh, bah, Celui-là, il me plaît, par exemple, les ADA, bah, tu fais preview. Et puis tu vas voir le thème. Voilà, tout simplement. L'idée, c'est de trouver les thèmes qui correspondent le plus à ta niche. Donc, prends un moment hein, d'aller voir sur Thème Forest. Tu prends un moment et tu regardes un petit peu les thèmes. Tu regardes à quoi ils ressemblent. Et puis, euh, par exemple, si tu fais de, de, des trucs où tu vends des fringues, par exemple, bah, tu vois, par exemple, ce thème-là, les ADA qui coûtent euh, 48 dollars. Donc, je pense que ça doit faire dans les 40 euros. Bah, tu peux avoir un thème ainsi un qui ressemble à ça, par exemple. Ça rame un peu pendant ce là Je bois un petit coup de flotte. Je vois que vous posez des questions là, mais je vous, je vous répondrai après. Hein, ok J'essaie de tracer pour ne pas faire un live qui dure, euh, qui dure 6 heures là. Donc voilà, par exemple, pour à peu près 40 euros, bah, as un, un, un site qui ressemble à peu près à ça, tu vois. C'est correct, c'est pas mal, tu vois. Il y en a qui... Après, ils... regarde, ça c'est cool, ça, ici. Sur ce truc là, donc la montre, tu peux avoir uniquement sur ce produit, par exemple, un minuteur. Uniquement sur ce produit là. Je trouve ça génial, par exemple. Et ça, c'est inclus dans le thème, par exemple. Juste vérifier dans le chat que euh, tout fonctionne, oui, tout fonctionne donc voilà. Par exemple, et les pages produits elles ressemblent à ça. Voilà, ça rame un petit peu. Je m'excuse là. C'est là encore une fois, c'est la capture d'écran qui fait que je demande beaucoup de choses à mon ordi quand même. Donc voilà, par exemple, ok. Donc c'est ça l'idée en fait c'est d'aller essayer de trouver euh, des. Est-ce que si on rentre ici. Euh, ben voilà, par exemple, une recherche que j'avais fait, c'était Single Product Shopify. Donc si tu as un monoproduit, par exemple, tu tapes, tu tapes Single Product et tu vas regarder quels sont les thèmes que lui te propose euh, potentiellement pour du monoproduit. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est ça. C'est à peu près ça le, 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 le sujet de la troisième partie du, du live c'est euh, euh, Thème Forest. Donc, c'est à toi d'aller voir. Par exemple, tu peux faire « Clothes », par exemple, pour, euh, pour des vêtements. Et tu vas regarder quels sont les thèmes qu'ils te proposent. Et tu as des thèmes qui sont vraiment, vraiment beaux. Hein. Celui-là, ça, ça a l'air pas mal. Il n'y a pas de, de notes pour l'instant, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Donc, finalement, pour répondre aux questions, les, les quelques questions que j'ai eues depuis tout à l'heure dans le, dans le chat, pour les bébés, pour les vêtements, pour le print-on-demand, etc. Voilà. Va sur, directement sur « Theme Forest ». Euh, par exemple pour les bébés tu tapes babies pour le, les vêtements tu tapes fashion tu tapes clothes tu tapes ce que tu veux pour le print on demand si tu fais du print on demand euh, sur les vêtements ben là on est pareil tu tapes clothes par exemple mais si tu fais du print on demand sur euh, je sais pas moi euh, euh, pff, des, des trucs de maison ben tu vas taper par exemple home and furniture des trucs comme ça tu vois tu vas tout simplement aller taper le nom de ta niche ici tout simplement ok donc pour répondre aux questions de tout à l'heure euh, la réponse est directement dans ThemeForest. Forest. Ok, je fais, pas de, pas de, je fais pas de placement de produit pour ThemeForest. Forest. Hein. C'est juste que moi, c'est un, un, un site que j'aime bien et il permet de pouvoir acheter des thèmes euh, sur n'importe quelle plateforme, que tu sois sur Shopify, que tu sois sur WordPress, que tu sois sur euh, euh, Magento ou ce que tu veux. Tu peux acheter des, tu peux acheter des thèmes qui sont vraiment pas chers. On parle pas de thèmes à 200 balles comme des. Euh, je veux pas taper sur Fastlane ou Turbo ou peu importe. Mais là on parle quand même de thèmes qui sont quand même vraiment vraiment beaucoup moins chers, tu vois. Là on n'est pas sur des thèmes du tout à 200 balles ou quoi que ce soit. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des thèmes à 200 balles là-dessus On va fermer tout ça. Voilà, t'as vu à peu près à quoi ça ressemble, ce genre de... C'est pas mal ça, tu vois. Si tu vends des sacs à main, des trucs fashion, je sais pas moi. Euh... C'est quand même plutôt propre, c'est plutôt joli. Tu vois les, les, les pages produits ressemblent à quoi OK, les pages produits c'est pas mal. C'est différent en tout cas, c'est différent ce qu'on a l'habitude de voir. Alors après, est-ce que euh, là c'est pareil, on pourrait ça pourrait être le sujet de ça pourrait être le sujet d'un live en entier. Faut-il copier les autres ou faut-il être à, à 100% différent des autres, tu vois ce que je veux dire C'est intéressant comme question ça. Dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais en faire un live. Donc voilà, à peu près ce que je voulais vous dire au sujet de au sujet des, des thèmes relatifs à vos niches. Je ne peux pas te dire quel thème est le meilleur pour ta niche. Par contre, je peux te dire quel endroit, à quel endroit tu peux trouver des thèmes sur lesquels tu vas pouvoir euh, trouver des thèmes euh, qui vont être plus adaptés à ta niche. Ok Je vais regarder un petit peu les questions. Ensuite, euh, ben ensuite, je pense que j'aurais fait pas mal le tour hein, de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Une question intéressante de euh, Bis Buzz qui dit Est-ce qu'on peut commencer sur un thème gratuit et. À, thème, à terme, transférer excuse-moi, je lis comme un, un handicapé là, <laughs> et à terme transférer le tout sur un thème payant si ça marche pas pour nous, notamment lorsqu'on veut brander, oui absolument, c'est ça que je te conseille de faire. Hein. D'ailleurs c'est, enfin, je dis tu mais je parle à toi, toi qui me regarde si tu veux, euh, ouais c'est ça que je te conseille de faire clairement. C'est euh, part sur un thème gratuit, teste ton produit, c'est comme le fait d'acheter du stock ou pas pour ceux qui utilisent, pour ceux qui utilisent euh, par exemple si j'ai dropshipping par exemple, commence sur un thème gratuit Commence en faisant du dropshipping, achète pas de stock, achète rien. Commence sur du gratuit, teste, valide ton marché. Si ça marche, tu achètes un thème, tu fais du stock, tu brandes tes produits, etc. L'avantage du dropshipping, finalement, c'est on peut euh, démarrer avec, si tu veux, avec pas grand-chose. Tu peux démarrer avec un thème gratuit, as juste ton abonnement Shopify API qui coûte 30 balles. Et cette semaine, je vais vous montrer, j'ai un, un live, entre parenthèses, de ouf qui va vous plaire, j'en dis pas plus là-dessus, mais voilà, en, en, pour, pour ce qui est de démarrer à moindre coût, j'ai un putain de live qui s'en bien cette semaine, les amis, vous allez vous allez trouver ça incroyable. Bref, c'est ça l'idée, c'est au début de démarrer au moins cher possible pour, pour, pour ne pas perdre d'argent inutilement. Tu vois, donc tu démarres en faisant du dropshipping, tu fais pas de stock, tu ne pas tes produits, rien, tu prends un thème gratuit, et puis une fois que tu as validé ton produit, ben là tu commences à passer à, au, à l'étape au-dessus. On essaye de minimiser les risques, en fait, c'est ça l'idée. Euh, faster, le thème, super. Service client est cool, ok. Super, bah j'en je... prends bonne note. Okay. En ce moment, je monte mon site. Est-ce que si je finis, je peux t'envoyer en DM sur Insta et tu me dis ce que tu en penses Ouais, vas-y Barry, pas de problème. Je te ferai un truc rapido. Hein. Habituellement, bon, là, je ne fais pas de placement. Aujourd'hui, je j'ai je te... Aujourd rien à vendre. Hein. Mais euh, habituellement, c'est des prestations, une analyse poussée, poussée, poussée d'un... D'un site, c'est quelque chose que je fais payer. Mais si tu m'envoies ton site euh, pour que je jette un oeil, je te dise les trucs qui me sautent aux yeux tout de suite, il n'y a pas de problème, je vais te le faire. Ça, je te fais ça gratuitement. Hein. Moi, je suis. Je, ça me prend 5 minutes, il n'y a aucun problème, je le fais gratos. Pour être sûr d'avoir compris, le thème millionnaire, tu approuves Oui, marketing is gold, le thème millionnaire, j'approuve. J'aime bien ce thème-là. Euh, merci, tu penses que Thème Fore... Je pensais que Thème Forest était juste sur WordPress. Bah ben non, finalement, tu vois, c'est pour toutes les plateformes. Et Thème Forest, tu peux acheter autre chose que des thèmes. Il hein. euh... y en a qui me demandent comment me contacter, mon adresse email. Euh, ouais, je vais vous rentrer ça. Mon adresse email, je vous la mets dans le chat tout de suite. Point com. Voilà. Sinon, pour ceux qui veulent me joindre sur Facebook ou quoi que ce soit, c'est Fabien Audouin, Icom samouraï. Voilà. Ça, c'est pour euh, me rejoindre sur Facebook. OK euh, Voilà, il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, euh, j'ai envie de te dire comme ça, on va faire un live plus court euh, aujourd'hui. Euh, tout fonctionne, c'est parfait. En plus, il n'y a pas de bug. C'est tout bon. Euh... Je vais tester ThemeForest. Forest. Ben, Saint-Bart, oui, teste ThemeForest. Forest. Si tu as un site qui fonctionne euh, ou qui, qui, qui marche déjà un petit peu, etc., et que tu veux passer à l'étape supérieure, oui, achète-toi un bon thème. Tu pas obligé de. Encore une fois, de. Euh, tu pas obligé de dépenser 300 balles dans un thème. D'ailleurs, il y a une question qui m'a été posée par je ne sais plus qui plus haut. Euh, et qu'est-ce que je pense du thème, du Snow Theme Je sais que ça, c'est euh, CP Dropshipping qui fait ça. On va aller regarder ensemble le, le Snow Theme. Je sais que c'est un thème qui est payant. Euh, je sais pas à quoi il ressemble Mais euh, j'ai regardé un petit peu quand il, avait, quand il avait fait le lancement etc. Ça avait l'air d'être un truc pas mal quand même le Snow Theme On va checker ça pendant que ça charge Mais le seul truc qui me gêne avec le Snow Theme par exemple c'est que c'est un thème qui est cher Tu vois On va aller directement regarder Je pense c'est un thème qui coûte au moins 200 balles 297 c'est une licence à vie, donc c'est cool, mais c'est quand même un thème à 297, qui est probablement très bien, mais c'est quand même un thème à 300 balles. Donc, démarre pas nécessairement avec un thème payant. C'est ça que je veux dire. C'est que si tu avais un seul truc à retenir de tout ce live, c'est démarre pas avec un thème payant, sauf si tu t'en fous et que tu as de l'argent à dépenser et que tu veux vraiment démarrer euh, là, genre. Mais démarre avec un thème gratuit et quand tu veux scaler, va sur un thème payant. Et là, auquel cas, tu prends le thème que tu veux. Euh... Alors, on va faire démo du thème pour le, thème, pour le Snow Thème. Alors, 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 on a trois euh, trucs différents. On peut regarder celui-là, par exemple, ça m'a l'air d'être un monoproduit. quoi ouais, ils ont refait un petit peu le, le, le thème GoPro avec leur thème à eux, tu vois. C'est bien, c'est beau, c'est propre. Hein. Quand on a vu avec toutes les, les photos et les vidéos et tout le bordel qu'ils ont mis dessus, je pense que si on fait le. Si on, va, si on regarde le, le, le score, à mon avis, c'est pas terrible. Euh, On va aller regarder ça tranquillement. Tant qu'on est entre nous, hein, on va regarder. Hein. Hop. Pendant ce temps-là, pendant qu'il charge, je regarde s'il y a des questions. Oui, il y a des questions. Excellent. Je vais vous répondre après hein, vos questions. Ok Allez, allez, ça charge, ça charge. Allez. C'est long à charger parce qu'encore une fois, comme je vous dis, c'est la capture d'écran et tout ça. Je demande beaucoup à mon ordi, même si c'est une machine de guerre. Euh... Allez 90, 91, bon. 91, 92. Bon, écoute, pendant ce temps-là, je vais regarder vos, vos questions. Euh... Les erreurs. À ton avis, Laetitia, bonne question. Quelles sont les erreurs à ne pas faire. Euh... Ben, je vais répondre après parce que ben, finalement il m'a sorti un, un, un résultat. Mais je vais te répondre, Laetitia. T'inquiète pas, je vais te répondre. Je te réponds juste après. Le Snow theme, il a 69. C'est bien, hein, 69. Hein. Honnêtement, pour un thème comme ça sur lequel tu as euh, des animations, des vidéos. Bon, là il n'y a plus de vidéos, mais il y avait des vidéos là tout à l'heure. Sur lequel tu as des animations, des vidéos, des belles photos. Parce qu'on moi l'air quand même pas trop mal. Bon, celle-là est dégueu. Non, c'est un peu dégueu celle-là. Ça c'est beau, ça tu vois, c'est des belles photos, tu vois. Donc pour un thème qui a comme ça autant de d'animations, euh, de, de vidéos, de trucs comme ça, 69 de, de, de sur mobile, encore une fois, hein. 69 c'est bien, hein. c'est vraiment bien. Donc le Snow Theme, oui, elle a, a vraiment l'air pas mal. En plus là encore, il y a le système de tab, comme je te disais tout à l'heure, tu vois. Donc c'est... Non, non, ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. C'est cher, mais ça m'a l'air quand même d'être bien, hein. ça m'a l'air d'être un bon thème. Donc voilà euh, les questions, les questions, les questions. Donc je vais répondre à vos questions. Et puis ensuite, on, aura, on en aura fini. C'est le moment de shooter vos questions dans le contexte de euh, bah, de ce qu'on est en train de faire là. là. Dans le contexte de, des thèmes, etc. Donc allez-y, hein, balancez vos questions. Donc Laetitia, oui, quel, euh, pour répondre à ta question, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a des erreurs à ne pas faire pour le choix de notre thème, le seul truc que je pourrais te dire au niveau des erreurs à ne pas faire, c'est si, mettons, par exemple, tu as un... une boutique de vêtements, par exemple, essaye d'éviter d'aller prendre un thème qui est opposé, comme un truc euh, sur la bouffe ou je sais pas, tu vois, un truc comme ça, parce que tu es vraiment radicalement opposé. Et les créateurs de thèmes, généralement, ils essayent quand même d'aller dans l'esprit de, 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 des autres marques ou des autres sites qui vendent euh, ce, ce genre de produit. Donc, essayez juste de ne pas t'éloigner de trop, de trop euh, du, du truc initial, tu vois. Mais sinon, des erreurs au niveau des thèmes, l'autre erreur qu'on que, que, qu pourrait trouver, ce serait d'aller euh, euh, chercher, d'aller prendre des thèmes euh, trop chers au début. Je pense que ça, peut-être, ce serait une erreur une erreur, c'est relatif, mais d'aller directement acheter un thème à 300 balles alors que tu n'as aucune expérience en e-commerce, moi c'est... Pour moi, ce n'est pas une erreur, mais c'est quelque chose que j'aurais tendance à ne pas nécessairement te conseiller. Tu vois. Mais il n'y a pas trop de... Il y a pas trop d'erreurs de, potentielles à faire. Euh, Christopher qui me demande est-ce que tu as un top d'application qui booste la conversion ben moi, j'aime ça avoir toujours euh, à l'écran soit un deuxième bouton euh, d'ajout au panier ou soit un sticky à euh, to cart, là, tu sais. Euh, de manière à ce que les gens aient pas à aller chercher le bouton ajout au panier. Il faut que ce soit tout le temps là, tu vois. Euh, sinon, ben non, au niveau des applications, ben, je dirais ça. Quoi d'autre Ben regarde, ce que je vais faire. Je vais regarder sur mon autre écran mon site actuel, voir. Euh... Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Parce qu'en fait, je, 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 là, comme ça, là, j'ai pas de réponse à t'apporter. Donc, je vais juste regarder sur mon site. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Ben, les, les, les reviews. Les reviews, super important. Ça, c'est le. Ouais, ça a été un peu flou, là. Donc, ouais, les reviews, super important pour booster ta conversion. Le social proof, tu sais, par exemple, le petit truc en bas de. En bas, qui dit que tu as quelqu'un qui a acheté un produit. Généralement, les applications de Social Proof, ils, ils se basent d'après des vrais achats en plus. Donc, c'est plutôt bien. Donc, Review, Social Proof, le bouton d'ajout au panier qui reste tout le temps euh, à l'écran. Puis, c'est ça. Voilà. Donc, euh, voilà en gros. Moi, je dirais ça, pas plus. Euh, ouais, donc euh, voilà, simple et efficace sur le blabla. Je suis content d'être tombé sur ta chaîne. Merci, Lesannes. On essaye de. Bah, C'est ça, on essaye de... de partager du bon contenu, on... de faire ça tranquillement, sans blabla. Euh... On est... Comme j'ai l'habitude de dire, en fait, ici, pour moi, nous, on est une grande famille, tu vois, on est. Euh... Là, on est une trentaine sur le live depuis le début. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui partent, etc. Il n'y a pas de problème, c'est ça le... Tu ne peux pas rester deux heures. Je, je serais curieux de savoir si parmi vous, il y en a qui restent, à chaque fois que je fais un live, qui restent pendant deux heures. Je serais curieux de savoir. Dites-le moi dans les commentaires dans, dans le chat là, s'il y en a parmi vous qui restent souvent comme ça pendant des plombs. Ça me fait extrêmement plaisir, mais je suis pas... Je ne suis pas capable de faire ça, moi, tu vois. Mais en tout cas, voilà, on passe un bon moment, tous agréablement, euh, comme une grande famille qu'on est. Euh. Les bijoux, est-ce que ça marche sur Facebook Ads J'avais fait une vidéo là-dessus. Je crois que c'était euh, « Tire à voir ». Ma vidéo s'appelle « Je, je t'offre 100 euros dans cette vidéo » ou un truc comme ça. Euh, et j'en parle de ça. Donc, les bijoux, oui et non. C'est plus difficile. quand même une, une, une niche qui est plus difficile. Mais si, par exemple, tu as des bijoux… Essaye de trouver des trucs qu'on peut pas trouver ailleurs, tu vois. C'est ça, sur Facebook Ads, c'est d'essayer de proposer des produits qui sont pas nécessairement trouvables au magasin du coin, tu vois. Donc, tira de checker cette vidéo-là. Euh... Besoin de votre avis, donc Débuté Futé qui pose la question. Besoin de votre avis pour une boutique de bijoux fait-mais J'imagine que c'est fait-main. Est-ce qu'un euh, premier produit en mono, c'est bien J'en sais rien, j'ai envie de te dire, essaye. Moi peut-être pour du fait main, je partirais sur quelques produits, pas 50 000, parce que si tu pars sur 50 000 produits, on perd un peu le côté rareté du fait main. Mais d'ailleurs, je trouve ça génial d'ailleurs de faire de proposer des choses comme ça, des produits fait main par exemple. Mais euh, moi, je, je rigole parce que je viens de lire un commentaire qui m'a fait marrer, je vais vous le dire après. Mais euh, peut-être quelques-uns, 3-4 produits, par exemple, ça pourrait être pas mal. Mais après, encore une fois, moi, je ne fais pas de produits euh, fait main. Mais euh, l'idée, c'est de ne pas tomber dans l'extrême et d'avoir 50 000 produits parce qu'on perd un peu le concept du, le, le, le concept du artisanal euh, rareté, tu vois. Fabien, lance-toi dans la création de thèmes. Euh, pff, je sais pas. J'y pense, hein, j'y ai déjà pensé, mais pas maintenant, tout simplement parce que je n'ai pas encore une audience qui est assez. Euh, j'ai pas encore assez d'audience, en fait, pour ça. Donc, euh, je, je pense que je mettrai beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Par contre, je peux vous le dire tout de suite euh, je vais me lancer très bientôt dans la euh, création de sites. En fait, je vais embaucher quelqu'un qui va créer des sites, euh, bah, finalement pour vous, en fait. Et surtout des sites sur le marché anglophone. Parce que je sais que la majeure partie d'entre vous aimerait ça, essayer de se lancer sur le marché anglophone mais euh, parle pas ou très mal anglais donc euh, mon idée euh, je vais je vais mettre ça je pense que ça va arriver dans l'été donc j'embaucherai quelqu'un qui me montrera des sites pour vous en anglais et puis je proposerai avec euh, tout, une espèce de petite formation genre avec genre les réponses types genre euh, quand quelqu'un te pose la question où il est mon colis toutes euh, euh, ces tu sais, des questions un peu bateau qui, qui arrivent tout le temps donc c'est ça donc j'essaierai de proposer genre, une espèce de pack avec le site qui est déjà en anglais prêt il est monté tu n'as plus qu'à rentrer tes, tes trucs personnels, genre ton adresse, etc. Enfin, les trucs basiques, tes numéros de, de carte, des choses comme ça. Mais je vous en je vous en parlerai plus tard, évidemment, de ça. Mais voilà, ça, et puis une espèce de petite formation qui vient avec pour euh, comment réagir face à des, des clients anglophones, comment répondre, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrivera dans le futur. Mais des thèmes, pour l'instant, euh, je sais pas trop, je ne sais pas trop. Donc, député euh, Futé, Alicia, qui, qui me disent « Je reste deux heures », merci Merci beaucoup, vraiment merci, ça me fait tellement plaisir de passer deux heures avec vous. Ce qui est dommage c'est que vous passez deux heures avec moi, mais moi je ne suis pas capable de passer deux heures avec vous, tu vois. Quand je serai en France, bientôt je serai en France et j'aimerais ça venir vous rencontrer un petit peu aussi, dans des espèces de rencontres abonnées. Donc merci à tous ceux qui restent longtemps, ça me fait super super plaisir. Bis Buzz, c'est mon premier et je suis toujours là, merci. C'est ton premier mais c'est pas le dernier, c'est sûr que c'est pas le dernier. Je reste maintenant sur le premier et les rediff, je regarde aussi. Merci Anthony. Merci Anthony. Euh, j'attends le jour de ton live de, euh, et je regarde jusqu'à la fin. Stéphanie, merci beaucoup, merci. Merci, ça me fait super plaisir. Qu'on attende, moi il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'on me dise j'attends avec impatience ton live. Sincèrement, ça me fait excessivement plaisir. Symbar, toi tu es tout le temps là aussi. Symbar qui me dit Fabien Poutine t'aime. <laughs> Donc, oui, il y avait une question qui était pas mal aussi. Euh... Euh, en thème gratuit, venture ou millionnaire pour des bijoux Moi, je dirais millionnaire. Moi, je dirais millionnaire pour les bijoux. Mais c'est un avis personnel, c'est juste que dans ce... je pense que ça pourrait mieux fonctionner. Les ânes, euh, je dis rien, mais euh, balancer ton email en disant les, les échanges de thèmes, etc., c'est pas très très légal. Donc je dis rien pour cette fois-ci, mais s'il te plaît, à l'avenir, euh, ne fa faites pas ça, s'il vous plaît, à l'avenir, euh, commencez à proposer des, les, les, les formations des autres, des thèmes payants, des autres, etc. C'est pas très légal et je veux pas. Euh, ça me gêne, tu vois. Euh, Est-ce que, est que Facebook Ads pour lancer les bijoux fait main, c'est bien Ou Instagram pour le premier, c'est mieux euh... c'est une bonne question ça est-ce que Facebook Ads pour lancer des produits, de bijoux faits main c'est bien ou Instagram en premier c'est mieux ça dépend combien t'en as en fait parce que je dirais, ça pourrait être intéressant étant donné que c'est du fait main d'aller vers des influenceurs mais ça dépend combien t'en as dire que si t'as 10 bijoux faits main et que, tu vas à... et que ton truc ça prend ben, tu pourrais te retrouver potentiellement emmerdé parce que tu pourrais avoir trop de commandes par exemple mais les influenceurs, ça peut être une bonne idée. Ah, tu peux essayer avec des petits influenceurs, voir ce que ça donne. Ça dépend de la quantité. Ben, combien t'en as, par exemple C'est une bonne question. Ça, combien est-ce que t'en as Et ça, je, ça pourrait peut-être m'aider à te donner un, une, un élément de réponse plus intéressant. Euh, Barry qui me demande Quel e-commerçant e e t'apprécies le plus dans, le, dans la niche drop Je ne comprends pas ta question. Est-ce que tu parles de youtubeurs, par exemple les youtubeurs comme moi, dropshipping et tout ça. Uni, euh, Unix Red, est-ce que tu peux me payer la formation sur CJ par affirmant bancaire Oui. Euh, je te donne mon email, écris-moi. Info at... Point com. Ouais, écris-moi. Et je vais, on va voir ça ensemble. Il n'y a pas de problème. Euh, on va se débrouiller. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions de toute façon. Hein. Euh, voilà. J'ai plusieurs templates. Euh, pour gérer le service client car je travaille comme agent dans une entreprise. Ok, euh, Chris et je sais pas qui là et les écrivez-vous entre vous, mais vos petits trucs de vos, vos trucs entre vous. Voilà, vous voyez ça entre vous. Merci, euh, c'est sympa les potes. Euh, T'en as plein, mais tu vas partir donc débuter futé qui est toujours dans le, dans le, le truc de ses bijoux fait main qui dit j'en ai plein, mais je vais partir sur cinq bijoux et tester le thème début pour voir. Ok. Euh, c'est que tu as 5 types de bijoux différents si j'ai bien compris donc oui ça peut, tu peux euh, tu peux essayer de voir ça Ouais, influenceur je pense que ça pourrait être plus intéressant pour toi d'aller voir des influenceurs essaie avec des petits influenceurs qui sont assez proches de leur communauté et par la suite euh, et par la suite ouais euh, si ça prend essaie d'aller vers des plus gros mais tu es sur du fait main donc tu peux pas vendre des trucs fait main que tu vendrais 10 balles par exemple ou 15 balles enfin je veux dire ton temps c'est ça aussi euh, qui, qui est important, c'est que ton temps, il se, il se monétise, si tu veux. Tu peux pas passer, euh, pff, qui, par exemple, euh, je sais pas moi, euh, 40 minutes sur un bijou et vendre ça euh, et vendre ça 15 balles. Tu vois, ton temps, enfin, tu es, es mieux d'aller au McDo faire des, des sandwichs. Enfin, je veux dire, en termes de valorisation de ton temps, ce serait un peu dommage de vendre des produits que tu as fait à la main au rabais, en fait. C'est ça que je veux dire. Saint-Bart, as-tu pensé pour une formation clavio Oui, j'ai une formation clavio euh, dans la tête. Le problème, c'est que j'ai deux formations qui vont sortir avant. <laughs> c'est ça, ça le problème, c'est que le fait d'avoir beaucoup d'idées, ben, je ne peux pas vous proposer des formations. Alors dites-moi dans les commentaires, c'est pareil. Est-ce que de, fait de vous proposer des formations toutes les deux semaines, c'est quelque chose qui vous branche Je ne veux pas passer pour le gars qui veut pousser à toujours vous, 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 vous proposer des formations tout le temps. Tu vois Alors peut-être que vous soyez plus intéressé par plus de formations plus petite, moins longue par exemple. Tu vois, je sais pas. C'est juste que j'ai plein d'idées de formations, mais je ne peux pas vous, vous bourriner tout le temps en vous disant j'ai une formation sur ça, puis j'ai une formation sur ça, j'ai une formation sur ça, j'ai une formation sur ça. J'ai l'impression que ça passe, passerait plus pour un vendeur de formation, si tu veux, que pour, que pour quelqu'un qui, qui veut partager des, 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 de l'information avec vous. Parce qu'effectivement, bien sûr que je vends des formations, que c'est une partie de mes revenus, mais je ne veux pas que passer pour ce gars qui est juste là pour vendre des formations, tu vois. Donc dites-le-moi dans les commentaires aussi, dans le chat, qu est -ce, Quel est le rythme qui, est-ce que vous, pour vous le fait de, par exemple, sortir des formations toutes les deux semaines ou quoi, c'est quelque chose qui vous plaît ou est-ce que vous trouvez que c'est trop Je sais pas, moi j'essaye un peu de, de satisfaire tout le monde, tu vois. J'ai l'impression aussi que, que souvent, euh, j'ai l'impression quand, quand je sors des formations, vous êtes plus content que moi de que je sorte des formations. C'est drôle quand même, ça fait plaisir d'ailleurs en passant. Hein. Parce que ça prouve que vous me faites confiance. Ouais, c'est ça, ok. Débuté, futé, tu dis non, j'en ai plus que 5, mais je vais partir sur 5, car si j'ai trop de commandes par la suite, je vais pas suivre. Et ouais, c'est ça le problème avec, avec ce que tu fais, c'est qu'étant donné que tu fais main, tu ne peux pas euh, faire de la quantité euh, industrielle. Euh, marketing is gold qui pose une question est ce que tu as déjà pensé à créer une liste d'influenceurs par thématique pour nous et la proposer en service payant non parce que les influenceurs c'est pas trop mon truc à moi j'en ai fait mais euh, pff, les influenceurs c'est pas trop ma niche à moi c'est pas trop tu sais chaque un peu youtubeur a son truc il y en a qui sont plus facebook ads il y en a qui sont plus google ads il y en a qui sont plus marketplace il y en a qui sont plus influenceurs etc moi je suis pas influenceur c'est pas mon mon truc à moi c'est pas mon tu vois ce que je veux dire Donc euh, déjà, un, c'est pas mon truc. Et deuxièmement, honnêtement, payer des listes d'influenceurs, pour moi c'est le truc le... Enfin, faire payer, on va dire ça, on va dire ça plutôt comme ça, faire payer des, des, des listes d'influenceurs, pour moi c'est le truc le plus... La plus grosse arnaque de tous les temps. Tu vois Parce que trouver des influenceurs, c'est pas compliqué. Hein tu vas sur Instagram, tu tapes le nom de... de, de tu, tapes tes, tu tapes des hashtags, tu trouves des influenceurs et tu te fais tes propres niches comme ça. Des, tes, tes propres listes, pardon, comme ça. Pour moi.. Proposer des listes d'influenceurs, de, 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 c'est comme faire payer pour des, des, pro, des listes de produits winners. Moi je ferai jamais ça, tu vois. Parce que c'est des trucs que tu peux trouver toi-même. Alors, des questions, des questions. Euh... Luc qui pose une question. Comment je peux traduire les emails de confirmation Selon moi, si mon client est anglais ou français, parce que je suis en train de créer un site sur le marché US et français, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Je pense que la... donc ça, ça amène à, à la question d'après de Alicia qui dit qu'est-ce que tu penses de faire un site en anglais et en français Je réponds à, à, aux deux questions en même temps. Qu'est-ce que j'en pense Moi, je... pour moi, c'est pas une bonne idée. Pour moi, c'est pas une bonne idée parce que euh, tu sais pas si ton produit marche. Et tu te, déjà, tu, te, tu te lances déjà dans des complications supplémentaires, tu vois. Encore une fois, je ne dis pas de pas le faire. Je dis que pour moi, c'est pas quelque chose que je considère comme une bonne idée, ok. Euh, euh, et en plus de ça, il, voilà, tu vois, ça t'amène à te poser ce genre de questions. Comment je fais pour les emails, etc. À mon avis, ce qui se passe, alors peut-être qu'il existe des applications pour ça, mais j'en doute. Mais euh, à mon avis, ce qui se passe, c'est que euh, il faut que tu désactives les notifications et que tu recrées des nouvelles notifications. On voyait automatiquement, par exemple avec Clavio, par exemple. En créant des, des automatisations, je pense, en fonction de, du, de la langue. Honnêtement, c'est une super bonne question. Et j'ai pas la réponse. Je pense que tu peux pas le faire juste avec Shopify tout seul. Euh, ouais. Donc voilà. Donc je n'ai pas vraiment de, de réponse à t'apporter là-dessus. Parce que j'ai... Je sais pas. Néanmoins, le fait de faire directement un site en anglais et en français... Je... Moi, je, si t'es débutant en plus, si t'es pas débutant, alors après je, je te réponds, mais je sais pas si t'es débutant ou pas. Hein. Mais si t'es débutant, euh, c'est des complications pour rien, tu vois. Marketing is gold, tu dis à partir du moment où la formation donne de la valeur, c'est nullement dérangeant, ok. Mais c'est drôle parce que juste en dessous, il y a Saint-Barthes qui dit tous les 15 jours les formations, euh, bon rendement, non. Bah tu vois, c'est difficile de trouver un petit peu le... le de satisfaire tout le monde. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est cool, d'autres qui vont trouver que c'est pas cool, des gens qui vont trouver que tel type de vidéo c'est cool, d'autres qui vont trouver que c'est pas cool. Tu vois, c'est difficile. Mais là, finalement, ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de sortir une formation par mois. En gros, c'est ça. Une formation par mois. Ou si éventuellement, je venais à sortir une petite formation, euh, je pourrais en sortir peut-être deux dans le même mois, mais j'essaye de faire une par mois parce que euh, j'ai pas envie de, de fatiguer l'audience avec. Euh, avec trop de formations, en fait. Donc voilà, Débuté Futé qui dit « Luc, tu devrais partir sur le marché français ou anglais, mais un seul à la fois, pas les deux en même temps. » Voilà, exactement. C'est ça, ça que je dis. Euh, euh, André qui me demande euh, « Clavio ou MailChimp moi, ma ?» Moi, Clavio. Clairement. J'ai essayé MailChimp avant je et je préfère Clavio. Par contre, Clavio est en anglais. Euh, en fait, je dis ça pour toi, mais si ton audience te demande une formation... Et que tu peux y répondre parce que c'est une réelle valeur. Je vois pas le mal. Bisbuzz qui dit ça. Euh... Ouais, exact. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. Comment je m'y prends souvent Point. Petit point info. Comment je m'y prends souvent Comment je détermine si je vais faire une formation ou pas Ma formation. Euh... Non, parce que je dis n'importe quoi, moi. J'étais en train de lire les commentaires et je pars sur autre chose déjà. Comment je détermine si je vais faire une formation Souvent, ce que je fais, en fait, ma chaîne YouTube me permet aussi de savoir quel sujet vous plaît. Je vais te donner un exemple. Euh, j'ai fait une vidéo sur CJ Dropshipping parce que c'est quelque chose que j'utilise depuis genre deux ans. J'ai fait mes vidéos sur CJ Dropshipping, j'ai vu que la vidéo a pris. J'en ai refait d'autres derrière et j'ai vu que les vidéos sur CJ Dropshipping fonctionnent, que c'est un sujet qui est en demande. Donc, qu'est-ce que j'ai fait j'ai créé une formation sur CJ Dropshipping. Sur CJ Dropshipping pardon. Il n'y a pas longtemps, j'ai créé une euh, vidéo sur Stripe. Je vois bien qu'en ce moment, Stripe, Molly, les processeurs de paiement, c'est un truc qui, qui est un petit peu. Euh, comment dire euh, C'est en demande. J'ai créé une vidéo sur Stripe, j'ai créé une page de, de capture pour, euh, pour capturer des emails et pour pouvoir envoyer de la valeur aux gens. J'ai vu que les gens, j'ai fait comme pareil sur Cité Dropshipping, hein, j'ai vu que les gens euh, s, euh, rentrent leur email, me donnent leur email en échange d'un truc qualitatif. Parce que je... moi, quand tu, me rentres, quand tu me donnes ton email, je vais toujours te donner un truc qualitatif. Je ne vais pas juste t'envoyer un, un truc avec trois lignes de merde, ça, c'est pas mon genre. Donc c'est ça, les gens rentrent leur email en échange de quelque chose. Ça veut dire que pour moi, il y a un certain intérêt. Donc, pas ce mois-ci, mais au mois de euh, juillet, j'ai une formation sur Stripe qui arrive. Stripe et les processeurs de paiement. J'en ai parlé aussi sur mon groupe. J'ai posé la question est-ce que ça vous intéresse les, Tout le monde s'est enflammé en disant oui, ça m'intéresse. À partir de là, je fais une formation parce que c'est un sujet qui intéresse les gens. Tu vois C'est comme ça que je m'y prends. C'est euh, combien Clavio, débuté futé, qui me demande ça Ce serait vraiment cool si à l'avenir. Alors, je dis ça comme ça, hein. Vous pourriez avoir vos prénoms décrits ou un, un pseudo un peu plus facile à. Je trouve ça moins impersonnel, tu vois, que. Euh, je sais pas, moi. Brico Reno, Biz Buzz, euh, Débuté Futé, Marketing is Gold. Je trouve ça un peu. Euh, c'est assez impersonnel. Donc ce serait super cool si vous pourriez avoir votre prénom la prochaine fois pendant le live. Ça me, ça me facilite aussi la vie, moi, à la lecture. Hein, c'est quand même beaucoup plus facile à lire. Hein. Donc bref, euh, c'est combien Clavio Clavio est gratuit. Euh, Clavio est gratuit à partir du moment... Alors peut-être je vais peut essayer de vous montrer ça. Euh, hop, voilà. On va faire Clavio Pricing. Voilà hop. Clavio est gratuit à partir de... Euh, voilà. On va le voir tout de suite ensemble. Voilà. Entre... 1 et 250 contacts, ce n'est pas des emails envoyés. Hein. On parle de contacts dans ta liste d'e-mails dans Clavio. En, en dessous de 250 contacts, Clavio est gratuit. 250 contacts et 500, c'est 20 dollars par mois, etc., etc. En fait, plus tu as de contacts et au plus, euh, tu payes cher. C'est ça. Mais tu peux démarrer toutes tes automatisations directement avec Clavio euh, gratuitement. Parce que 250 contacts, quand tu démarres une, une, une nouvelle boutique, bah, avant de remplir les 250 contacts, euh, ça va te prendre potentiellement quelques semaines. Tu vois ce que je veux dire Donc tu peux largement démarrer gratuitement avec Clavio. Donc Clavio Mailchimp, André, comme j'ai dit tout à l'heure, Clavio, euh, Brico Reno qui dit WooCommerce pour du multilingue. On va en parler justement de WooCommerce dans le live qui, qui arrivera cette semaine. Euh, dans ta formation sur CD Dropshipping, est-ce que tu montres comment trouver des produits de qualité euh, Je sais plus. <laughs> je ne sais plus. Donne-moi deux secondes, je vérifie. Euh, je vérifie. Hop. Deux secondes, je vais sur ma page de vente pour voir. Hein. Parce que je sais que j'ai mis des bonus avec, mais je n'en rappelle plus. Le problème c'est que je fais tellement de, de choses, c'est que je me perds dans les... Ouais, exactement. Oui, oui, c'est ça. Dans le... Ouais, c'est ça. J'avais un doute, mais voilà, je te confirme que le doute que j'avais... Dans la formation CJ Dropshipping, oui, il y a un module, un des bonus euh, pour trouver des, des produits winners avec des méthodes gratuites. Okay. Euh, voilà. C'est normal que quand quelqu'un vend un produit pendant 2-3 jours après, le calme après... Attends, attends, attends. J'essaie de lire trop vite souvent et ça ne veut rien dire ce que je dis. C'est normal qu'un produit vend pendant 2-3 jours après... C'est calme pendant 5 jours. Pourtant, bon produit. Peut-être problème de pub. À partir de quand arrêter la pub ou testing Il faut que tu vois en fonction en fait de tes... Il faut que tu regardes tes métriques, tu vois. Tu regardes ton CTR. Ça, j'en parle plus dans la formation Facebook en détail. Vraiment, vraiment en détail. C'est une formation qui dure genre 5 heures. Mais on va... je vais te donner un petit peu les, les grandes lignes là. Pour savoir si ça vient de ta pub, tu regardes ton CTR. Si tu un CTR qui est de... On va dire moins de 2%, ça veut dire qu'il que un... ta pub n'interpelle pas les gens, tu vois. Euh, pareil, le, le, ton, ton coût par clic et ton coût par mille, plus ils sont élevés et plus ça veut dire qu'il euh, y a un problème dans ton, dans ton, dans ton, dans ton tunnel, si tu veux. Tu vois mais si ça vend deux, trois jours et qu'après ça arrête, ça veut dire qu'il y a peut-être un potentiel sur ton produit, mais il y a un problème ailleurs. Peut-être ça peut être la pub, peut-être ça peut être la page de vente, tu vois, ou peut-être que c'est tout simplement ton intérêt. Si tu as des ajouts au panier, beaucoup d'ajouts au panier, et que tu n'as pas beaucoup d'achats, ou que tu as euh, beaucoup de personnes qui vont voir ton site et que tu n'as pas nécessairement beaucoup d'achats, mais que tu sais et tu as la certitude absolue que ton site est bon, euh, ça, peut valoir, ça peut être euh, ton audience, en fait, qui n'est pas bonne. Donc il faut tester d'autres intérêts, en fait. Et à partir de moment, quand est-ce que tu coupes bah, Tu coupes après 2-3 jours quand tu es plus rentable, en fait, tu vois. Quand tes assets sont plus rentables, tu coupes. Voilà, tout simplement. Euh, Est-ce que j'ai déjà déposé une marque à l'INPI euh, Non, jamais, j'ai jamais fait ça. Débuté futé qui me dit Je suis connecté avec mon email, prénom, c'est Géraldine, ok. Euh, mais normalement, dans votre compte Gmail, vous pouvez le changer, ça, hein, votre nom et prénom. On est français, on est parano, d'où nos pseudos, comme son nom l'indique. C'est un pseudo. Mais ben regarde, il y a Géraldine qui vient de me donner son nom. Des Géraldines, euh, j'en connais 70, hein, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas. Je comprends que vous soyez parano, mais après, bon, écoute, euh, c'est juste que c'est pour des raisons de lisibilité, etc. C'est quand même plus facile d'avoir vos prénoms. André qui dit euh, Quelle est la différence entre Clavio et Malchim Pourquoi euh, Qu'est-ce qui rend Clavio, euh, Clavio meilleur bah, j'aime mieux l'interface j'aime mieux comment ça fonctionne et euh, je trouve qu'il y a plus de possibilités euh, sur Clavio en fait tout simplement après c'est Clavio Metalchip Get, Get Response etc il y en a plein hein, des trucs comme ça hein. je pense qu'il y a aussi beaucoup des questions de préférence c'est comme un thème entre quelle est la différence entre le thème pourquoi est-ce que je préfère le thème Turbo au thème disais quoi tout à par exemple il y a aussi beaucoup des questions de préférence tu vois Euh... Kim tu m'as dit tu m'as déjà montré ton site ou pas toi parce que je pense que c'est pas la première fois que tu as des problèmes de beaucoup de visites et pas beaucoup d'achats d'ailleurs en ce moment moi je viens de monter une nouvelle boutique et je m'en trouve un petit peu dans ce cas de figure là avec beaucoup de visites et très, très peu d'acheteurs pourtant je suis quand même pas mal sûr de, de mon site donc j'en viens à me poser la question est-ce qu'en ce moment, Facebook n'envoie pas du trafic de merde du, Des petits curieux, si tu veux. Tu vois, mais par contre, 25 ajouts au panier pour 4 ventes, 300 visites, il y a un truc qui va pas. Envoie-moi ton site si ce n'est pas déjà fait. Euh... Fabien, je suis en société. On sait que Stripe demande un ciré, demande-t-il... Euh, qu'on leur envoie un cabis pour vérifier en gros, est-ce que les documents, est que, quels documents ils réclament aujourd'hui. Ils vont te demander ton ciré. Dans quelques rares cas, ils t'ont demandé ton cabis, mais euh, en général, ils, en fait, Stripe ne te demande pas ton ciré. C'est pour ça que la plupart des gens foncent vers Sky, euh, vers Stripe, pardon, dès le départ, parce qu'ils ne te le demandent pas. Mais c'est vivement conseillé de le, de le rentrer, parce que si jamais tu ne le rentres pas, euh, il pourrait euh, te bloquer directement l'ouverture de ton compte. Mais rentre ton ciré et puis si jamais ils te demandent ton cabis, tu leur donnes ton cabis. Clavio, c'est une tuerie, mais en ce moment je suis à 100 balles par mois pour commencer. Ça commence à faire mal. Oui, mais si tu es à 100 balles par mois, ça veut dire que tu as beaucoup d'emails. Ça veut dire que, en principe, t es, t es, tu as un retour sur investissement sur tes emails, tu vois. Si tu, si tu fais juste envoyer des... Euh, si tu fais juste envoyer des, des, des emails qui ne te rapportent rien, bah, ou, bah là, oui, effectivement, c'est un, un investissement qui est conséquent. Mais il faut que tu puisses. Euh, euh, il faut que tu aies un retour sur investissement. Kim, tu m'as posé une question qui dit euh, Comment faire pour m'envoyer euh, ton site Envoie-le-moi sur mon adresse. Euh... Ouais, envoie-le-moi mon, sur mon courriel. Info à. Fabien Baudouin. Je te le mets dans le chat, Kim. Mon. Mon courriel envoie moi ton site sur mon courriel et puis je vais y regarder parce que c'est pas normal tu as beaucoup beaucoup de visites et tu as très peu de ventes hein. euh... ouais cette brico c'est vrai tu dis sûrement vue de contenu et non achat euh, ouais faut savoir aussi comment tu as paramétré tes ton ton, bah tes pubs, finalement, est-ce que tu es en conversion-achat, ouais, est-ce que tu es en version à jeu au panier, est-ce que tu es en vue de contenu, est-ce que tu es... C'est ça, toutes ces choses-là qu'il faut, euh, qu faut, qu faut aussi que je sache. Donc, euh, il faut que tu m'en dises plus aussi. Hein. Bon, il n'y a plus beaucoup de questions, ça fait 1h55 qu'on est ensemble, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh... Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, des dernières questions, shootez-les maintenant, sinon on s'arrête là. J'attends 30 petites secondes. Lâchez vos pouces bleus avant de partir, les amis. Euh... Enfin, avant de partir, vous êtes toujours là, hein, mais euh... avant que. Après on s'en aille. Lâchez vos pouces bleus. Ceux qui ne sont pas abonnés, les touristes, là, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis, euh... ben voilà, il n'y a plus de questions pour l'instant. Conversion achat, ok, envoie-moi ton site, Kim. Et puis je vais regarder ça. Hum, voilà. Bon, il n'y a plus de questions. Ouais, c'est ça, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il n'y a plus de questions. Euh... Qui m'envoie-moi ton site? Je vais regarder ça. Pour tous ceux qui m'ont demandé, je vous relaisse encore une fois mon courriel ici info at fabienbaudouin.com. Euh, si jamais vous voulez m'écrire, sinon sur Facebook et Instagram, et c'est fabienbaudouin.com icom oulala Fabien Baudouin iCom Samouraï Voilà donc si vous voulez me joindre voilà bon, il y a tout ça euh, dernière question je débute sur la quelle niche je débute tu me conseilles quelle niche ou monoproduit avec Facebook Ads Christophe Christophe j'ai fait une vidéo là dessus j'ai fait plusieurs vidéos sur le choix de ta niche sur ma chaîne va voir ça et puis tu auras des réponses bien plus euh, comment dire bien plus détaillées que, 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 que ce que je te donne là que je pourrais te donner là, pardon. Donc ouais, c'est ça. Merci beaucoup à ceux qui ont lâché des pouces bleus. Avant de partir, parce que c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. <laughs> Bis buzz. Merci à tout le monde. Merci. Je vous passe, passe une bonne soirée pour ceux qui sont en France. Passez une bonne fin d'après-midi pour tous ceux qui sont au Québec ou ailleurs sur mon fuseau horaire. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. On se voit dans la semaine. Il n'y aura pas de vidéo cette semaine, en milieu de semaine, mais il y aura un live à la place. Voilà, that's it. merci à tous ceux, même la, la minorité silencieuse là, genre Sab par exemple, qui n'a pas laissé un, mis un message dans le chat de, depuis tout à l'heure, mais tu quand même là à écouter ce que je raconte. Donc merci, en tout cas. Bref, on s'arrête là. Merci, bonne soirée à tout le monde, et puis on se voit dans la prochaine vidéo.